give you my soul. I live for you alone. Every breath I take, every moment I'm awake, your love, your way, Lord, I give you, Lord, I give you my. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath I take, the moment I'm away. Lord, praise his name. Let's praise his name. Hallelujah. Pray in tongue if you can. Praise his name. Worship his name. God, we thank you this afternoon. We thank you this afternoon for your goodness, for your faithfulness. Hallelujah. Just pray. Pray. Open your mouth this afternoon. Hallelujah. Pray in Jesus' name. Has he been good to you? Hallelujah. He has been good to me. Pray, I can't hear you. Pray in the name of Jesus. God, we thank you. Hallelujah. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Let's thank him again. Nous allons le remercier une fois de plus. For giving him victory. Car il nous a donné hallelujah. Victoire. This month been declared a month for divine acceleration. Ce mois a été déclaré le mois d'accélération. And they give us the scripture, 1 Kings 18:46. Hallelujah. And we're going to thank the Lord for divine acceleration. Pray in the name of Jesus. Thank you. Thank you for divine visitation. Thank you for visitation. Thank you for acceleration. Thank you in the name of Jesus. We're praying this morning for you. Hallelujah. You may not have something that you want now, but thanks him in advance. Thanks him for divine acceleration. Thanks him for victory now, right now, in the name of Jesus. You may not see victory, but God sees victory. He has a plan this afternoon. He has a plan for you. Pray in the name of Jesus. God, we thank you for divine acceleration. For the month, for divine acceleration. We thank you. Nous te remercions. Amen. Amen. We're going to pray. Nous allons prier. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The heaven arise. Que les today. And increase our speed. In the name of Jesus. Pray for the heaven arise in our church, in our life, in the name of Jesus. God, we thank you. Pray, pray in the name of Jesus. Heaven arise in our life. Heaven arise in our church. Heaven arise in your life, in your faith, in your body. Heaven arise in our church in the name of Jesus. For divine speed, for divine speed. For divine acceleration in the name of Jesus. We're going to pray in the name of Jesus. For God anointed your hand. Has he done it? He would do it. Divine acceleration. That God will anoint your head. Anoint your hand for divine acceleration. Pray in the name of Jesus. God, we thank you for anointing us, oh God, as a church. As a brother, as a sister, I know this, oh God, for divine acceleration in the name of Jesus. Amen. Amen. I don't think you know what is divine acceleration. You should be happy right now when God increases your strength. Pray for God to increase your strength. Hallelujah. Pray, open your mouth in the name of Jesus. God, we thank you to increase our strength. To increase our strength in the name of Jesus.
Hallelujah. Pray in the name of Jesus. We thank you this afternoon. We thank you for this afternoon. Amen. We're going to pray in the name of Jesus. And at home as well, I hope you agree and pray with us. To for God to arise in French Connection. Let's pray for French Connection. If you know that you belong to French Connection, pray in the name of Jesus. That divine acceleration is in that church. Pray in tongue if you can. The Bible says the Holy Spirit is Him that helps us to pray. If you cannot pray, ask the Holy Spirit to help you to pray. God, we thank you, oh God, for divine acceleration in the name of Jesus in French Connection. Amen. Hallelujah. French Connection, we rise. Amen. French Connection, we win. Amen. French Connection, we increase. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We're going to pray for the word today. Hallelujah. The word of God. We're going to pray the Father for inspire all scripture today. By the Holy Spirit. Pray that there's a word that will come out for you. Pray for yourself that God will give you one word, a scripture for yourself, and you'll go home with it. If you're at home, you will pray for that scripture. Pray in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the word that will come out for me, oh God, for my children, for my church. I thank you, oh Lord. Pray in the name of Jesus for the word that will come out today. Even at home, the word will come out for you. Hallelujah. Through the word of God, there's healing. Through the word of God, there is peace. Through the word of God, there's salvation for your soul. Pray for the word coming out today. Amen. We're going to pray in the name of Jesus for the help of the Holy Spirit. Hallelujah. Because He's her helper, He's my comforter, He's my teacher. Hallelujah. In John 14:16, it says it. He will help you. He will comfort you. So pray the word will come out. Hallelujah. Pray, open your mouth this afternoon. Hallelujah. Pray in the name of Jesus. Again, ask the Holy Spirit. Hallelujah. To help you to pray in the name of Jesus. Hallelujah. Pray in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We're going to pray. Amen. To receive the word of God. To transform your life. Afin qu'elle puisse nous transformer. Hallelujah. To bless you. Que la parole puisse vous bénir. Hallelujah. To open your eyes. Qu'elle puisse vous ouvrir les yeux. Receive today in the name of Jesus. Pray for yourself. Say to God, I'm ready to receive the word today. For my healing. To bless my family. Declare this this afternoon. Declare it this afternoon. That you receive. Receive a word that will transform your life. At home, you receive a word that will transform your life today. To open your eyes in the name of Jesus. Amen. And the Bible said, ask and you should receive. Seek and you will find. Knock and you will be open. Open your heart this afternoon to receive the word of God. Pray, knock, seek the Lord this afternoon. Say to God, I am here to receive from you. I am here to be healed by you. Say something to the Lord this afternoon. Open your mouth and say something to the Lord this afternoon. I am desperate to say something to the Lord this afternoon. Hallelujah. Say to the Lord, God, I'm seeking your face. Say to the Lord, I am blessed by you. Pray in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We're going to pray for the family of French Connection. In that same verse, 1 Kings 18:46, for divine acceleration. We're going to pray for our church to receive blessings. We're going to pray for our church to receive miracles. We will pray for our church to receive freedom. Hallelujah. We will pray for our church to receive victory. This morning we will pray, and Pastor Yomi says, if we are blessed, if KRCC is blessed, we will be all blessed in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus for divine acceleration, that the French Connection, we will be all blessed. Babies, teenagers, adults, old, we will be all blessed in
the name of Jesus. Pray, open your mouth that we will be a French connection blessed church. In the name of Jesus, where all the francophone, all the people even speak English or French will receive the word of God. Pray for every soul, every member of French connection. Those who you don't know, pray for those souls. We bring them to the Lord. We bring those souls to the Lord. Pray in the name of Jesus. When you may not see them, pray for the soul or the family of French connection. Those who are not yet here, pray for them in the name of Jesus. That they will come here to receive freedom. That will be here to receive peace. Pray in the name of Jesus. Hallelujah. It's good to pray for others. It's good to pray for the others. Hallelujah. Hallelujah. We're going to pray for the anointing of God, for divine acceleration in French connection. That God will touch us. Amen. Pray that God will touch us. Pray that God will touch you. Pray that God will touch us. Pray in the name of Jesus. God, we thank you this afternoon. We thank you for divine touch and divine acceleration in French connection. We thank you that you touch every member, every one of us in the name of Jesus. We will not come back home the same way we came here. God, we transform your life. God, we transform your life in the name of Jesus. We're going to pray for the workers. Hallelujah. We are workers in the house. Hallelujah. We're going to pray for the interpreters, the choir, the media, the ushers, all work together. We're going to pray in Jesus' name for unity. Hallelujah. Let's pray that we all come together as unity. Pray in the name of Jesus. If you know you're in one department, pray for your department. If you are in ushers, pray for your department. If you know that God has called you to be in the church to work, pray for yourself in the name of Jesus. Pray for every department that we work in unity, that we work in the plan of God, that we plan with God, His direction in the name of Jesus. Hallelujah. And we're going to pray for Pastor Yomi and his family. Pray that the Lord will bless the man of God. Because God has placed him here. He has this responsibility, a role in KRCC French Connection. And is to bless us. We're going to pray for him. The man of God. Mention his name. I hope you pray in our home as well for the man of God. I hope you're praying to during the week for the man of God, that God will bless him this afternoon and God will touch him for giving you a word for you. Pray for yourself. The Bible says we have to bless one another. So bless the man of God for what he's doing in the house, for the sacrifices, for the time of prayer. When we are sleeping, he's praying. So pray in the name of Jesus. God, we thank you. We thank you for Pastor Yomi. I am praying for Pastor Yomi right now and his family. Thank you. Thank you, because that man will give us a word. This man, that man will give us a word this afternoon. Amen. We're going to pray again. Continue. We pray for the man of God, for God to continue to mold him, to increase him in wisdom, to empower him, and to give him peace. Hallelujah. Hallelujah. Put all those blessings on him in the name of Jesus. Open your mouth and say something. God, we thank you this afternoon for the man of God. Hallelujah. We continue to bless him. That French connection, we continue to bless him because he's a blessing to us. Man of God is a blessing to French Connection. Continue to bless him in the name of Jesus. And we're going to pray for KICC, for all pastors, Pastor Yomi, Pastor Matthew, Pastor Yemisi, Pastor Depo, and all the pastors in KICC. We pray for the strong calling that God has put in their life as shepherds, as leaders, as visionaries.
visionnaires. We pray for strength. Nous prions Hallelujah. Pour la Let's pray for them in the name prions of Jesus. God, we thank you for the visionnaires of the KICC and the KICC French Connection. We thank you, oh God. We're in the church that we are planted. Even at home, you are the church that is planted. God has blessing us. So bless them in the name of Jesus. Aussi au nom de Jésus. I pray that God will visit you at the time of need. Amen. Dans votre temps de besoin. Amen. Alléluia. On continue à acclamer le Seigneur. Ce n'est pas l'esprit de la timidité que Dieu nous a donné. Il nous a donné la vie. Nous vivons, nous pouvons respirer. C'est la grâce et la faveur de Dieu. Bien-aimés, je vous invite à adorer le Seigneur. Je vous invite à acclamer le Seigneur. Je vous invite à célébrer Dieu. Il est digne. Il est fidèle. Il est notre Père. Il est notre bouclier. Il ne permet à point que notre pied chancelle. Il nous couvre par sa grâce et par son ombre. Oui, le mal ne peut pas nous atteindre. Oui, nous te célébrons, grand Dieu. Merci. C'est le désir de mon cœur, Seigneur, de te célébrer. C'est le désir de mon cœur, Seigneur, de t'adorer. Car il n'y a personne qui peut me faire du bien comme toi. Il n'y a personne qui peut me protéger comme toi. Oui, je crois que c'est le désir de chacun de nous cet après-midi. C'est d'adorer le Seigneur. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour célébrer Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Que nous soyons véritablement bénis. Seigneur, nous voulons voir la différence, car la Bible déclare, oui, de nouveau tu mettras la différence entre ceux qui t'invoquent et ceux qui ne t'invoquent pas. Nous sommes de ceux qui t'invoquent, Seigneur. Et cet après-midi, le désir de nos cœurs, c'est de te célébrer et de t'adorer. Alléluia. Ooh.
worship you. Nous voulons être environnés de ta présence. Seigneur, seule ta présence nous apporte le bonheur que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. Nous te demandons, viens, entoure-nous de ta divine présence. Entoure-nous de tes saints anges, Seigneur, afin que nous soyons intouchables et invisibles aux yeux de l'ennemi, Seigneur. Nous te supplions cet après-midi, viens, Seigneur. I surrender all to you, God. Alléluia. Merci, Jésus. Surrender all to you. Everything.
Nous nous abandonnons tout entre tes mains. Tout. Nous ne retiendrons rien. Nous te donnons la louange à Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ouvrez vos Bibles avec moi cet après-midi. Dans le livre de Psaume. Psaume 23. Je vais lire. À partir du verset 1 au verset 4. Praise the Lord. Gloire à Dieu. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, I walk through the valley of the shadow of death. I fear no evil, for thou art with me. The rod and your staff. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for that. Merci, Seigneur, pour cette parole. And we are going to ask this afternoon. Et nous allons demander à Dieu cet après-midi. And ask that the Lord will be our shepherd. Nous allons demander à ce que Dieu soit notre berger. Quand nous entrons, comme nous sortons, que l'Éternel soit notre berger. Parce que Jésus, c'est le bon berger. Et quand nous permettons à Jésus d'être notre berger, nous ne pouvons pas échouer. C'est ainsi que nous allons accomplir notre destinée. Prions cet après-midi. Père, sois notre berger. Dirige-nous. Guide-nous. Donne-nous la paix qui dépasse tout entendement. Que la peur s'éloigne de nous au nom de Jésus. Et que tu puisses nous réconforter de tous les côtés. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous te bénissons cet après-midi. Nous te remercions parce que tu es notre bon berger. Nous te louons. Nous te remercions. Nous te remercions. Oh, nous te remercions. Parce que tu vas continuer à nous, de nous guider. Tu vas continuer à nous diriger sur ton chemin. Dans notre travail, tu vas nous guider. Merci Seigneur. Merci Père. Nous prions pour ta paix cet après-midi. Ta paix qui dépasse tout entendement. Dans tout ce que nous passons. Que ta paix puisse continuer à nous garder. Ta paix puisse continuer de nous garder. Père, nous te remercions. Nous entendrons la direction que tu vas nous dire. Regardez ici le chemin. Suis-le. Au nom de Jésus, c'est toi qui vas nous guider. Au nom de Jésus, nous te louons. Nous ne serons pas remplis de peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Parce que tu vas nous réconforter de tous les côtés, dans toutes les situations. Tu nous montreras le chemin. Tu vas nous réconforter. Tu seras avec nous. Ta parole sera une lampe à nos pieds. Au nom de Jésus. Nous ne raterons pas notre direction. Nous ne raterons pas le chemin au nom de Jésus. Nous
Nous entendrons ta voix clairement. Nous entendrons ta voix clairement. Chaque voix qui n'est pas de Dieu, nous la rendons silencieuse au nom de Jésus. Nous la rendons silencieuse au nom de Jésus. Nous la rendons silencieuse au nom de Jésus. Dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos affaires, dans toute situation qui ne reconnaît pas Dieu, nous déclarons que seule la volonté de Dieu sera établie. L'Éternel va continuer d'être notre berger. Nous te bénissons, nous te bénissons, ô Dieu. Tu es notre bon berger. We will not be found wanting. We will be led by you. Nous serons dirigés par toi. We give you praise. We give you praise, oh God. Let's start thanking God. Let's start thanking God. Thank you, Lord. Remercions-le. Thank you, Lord. Remercions-le. AICC, don't get tired of praising God. Thank you, Lord. AICC, ne vous fatiguez jamais de louer Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Que quelqu'un le loue. Que quelqu'un le loue. Il est digne. Il est merveilleux. Nous te remercions, Seigneur. Que quelqu'un dise, nous te remercions pour ta bonté, pour la longue vie, pour parce que c'est toi qui nous soutiens. Pour ta grâce, nous te remercions. Nous bénissons ton Saint-Nom. Qui d'autre avons-nous dans les cieux si ce n'est que toi? Qui avons-nous dans les cieux si ce n'est que toi? Il n'y a personne sur la terre si ce n'est que toi. À cause de ça, nous te remercions. Nous te remercions, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as gardés. Pour ta protection, nous sommes reconnaissants. Pour ta miséricorde, pour ta grâce, nous sommes reconnaissants. Parce que nous avons vu ce jour, nous te disons merci. Nous avons confiance en toi. Nous verrons demain. Alors nous te remercions. Nous te remercions. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Fill us with your power. Fill us with your power. Fill us with your power.
you total victory. L'Éternel notre Dieu vous donnera la victoire totale. Dieu vous donnera la victoire totale. Dieu va vous enlever de la terre. Il va vous enlever de la boue. Il va vous enlever de la boue. Il va vous enlever de la boue. He's gonna put you on a dry ground. Et il va vous mettre sur la terre sèche. On the dry ground. Sur la terre sèche. Sur la terre sèche. He's gonna plant your feet. Il mettra vos pieds dans les lieux plus élevés. Dans des lieux plus élevés. La victoire totale vous appartient. Vous allez être élevé. Vous allez être élevé. Vous allez être élevé. Dieu vous donnera la force de vous élever. Dieu vous donnera la force de vous élever. Cette situation qui paraît impossible. Cette situation qui paraît impossible. Bientôt vous entendrez Dieu. Il vous guidera en dehors de cette situation. La voix de l'Éternel vous dirigera. Vous ferez du progrès. Le progrès vous appartient. Le progrès vous appartient. Amen. Le progrès divin. Le progrès divin. Pas celui orchestré par l'homme. Pas celui donné par la chair. Mais ça, c'est les cieux. C'est les cieux qui vous dirigent. C'est les cieux qui vous dirigent. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vaincra. Le sang de Jésus vaincra. Le précieux sang de Jésus vaincra. Sur tous les plans de l'ennemi. Sur tous les plans de l'adversaire. Tous vos adversaires vont s'agenouiller. Tous vos adversaires vont s'agenouiller. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus va commencer à révéler les différents systèmes. La puissance dans le sang de Jésus va les affaiblir. Va les affaiblir. La puissance dans le sang de Jésus va mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Vos ennemis seront confus. Très bientôt. Ils ne permettront plus. Ceux qui ne vous permettaient pas de servir Dieu, de régner et de servir Dieu. Leur paix sera dérangée. Leur paix sera dérangée. Ceux qui sont sur le cas de vos enfants, ceux qui veulent déranger vos enfants, qui veulent manipuler leurs pensées, qui veulent les influencer, qui les dérangent, qui leur donnent des mauvaises instructions, qui leur donnent des mauvaises doctrines. Feel the wrath of God in their ils sentiront lives. Le fouet de Dieu dans leur vie. Ils sentiront le fouet de Dieu dans leur vie. Ils seront brisés. Ils seront brisés. Ils seront brisés en morceaux. La parole de Dieu dit. Remettez-vous ensemble. Associate yourself together. Alors que vous vous remettez you ensemble, shall be broken. Vous serez vaincu. So qu'il en soit ainsi pour vos ennemis. Autant qu'ils soient. Plus ils se réunissent ensemble. Plus ils seront brisés en morceaux. Plus ils seront brisés. Ceux qui ne veulent pas que vous viviez dans la paix. Ils ne veulent pas que votre famille soit dans la paix. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. Ils seront brisés en pièces. Ils seront brisés en morceaux. L'onction.
l'onction. Of touch not. Ne touche anointing pas. Of touch not. L'onction de ne touche pas mon enfant. We begin to fight them. Va les combattre. In the morning they will be fought. Le matin. In the afternoon they will be fought. L'après-midi ils combattront. In the middle of the night they will be fought. Pendant la nuit il y aura des combats. When they are sleeping. Quand ils dormiront, l'onction ira les trouver dans leur lit et il va les déranger. L'onction va les réveiller from their slumber. Et ils ne dormiront from their slumber. Pas de leur they sommeil. Will lose sleep. Ils ne dormiront they will plus. Not be able to sleep any longer. Ils ne pourront pas dormir. They will not know what they call sleep anymore. Ils ne pourront pas dormir. Until they give up on you. Jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Give up on your children. Jusqu'à ce qu'ils vous laissent tranquille. Until they give up on your businesses. Jusqu'à ce qu'ils vous laissent tranquille. Give up on your job. Jusqu'à ce qu'ils until they give up on your family. Jusqu'à ce qu'ils vous laissent votre famille. They thought you are nobody before. Ils pensaient que vous n'étiez personne. Now God will make you somebody in their eyes. Mais maintenant Dieu fera de vous quelqu'un à leurs yeux. Ils pensaient que vous n'étiez personne. Ils pensaient qu'on pouvait marcher sur vous. Mais non. Dieu vous élèvera et vous deviendrez un soldat puissant. C'est votre temps. C'est votre temps. Afin de vous élever. De voler comme un aigle. De voler comme un aigle. De voler comme un aigle. Vous allez vous envoler. Vous allez vous envoler. Dieu vous donnera des idées gagnantes. Dieu vous donnera des idées gagnantes. Vous verrez, vous rêverez de votre avenir. Vous verrez votre avenir très bientôt. Vous verrez votre avenir. You in your sleep. Ceux qui vous dérangent pendant la nuit, qui vous dérangent quand vous dormez, you are going to shock them. Vous allez les surprendre à cause de ce que Dieu fera dans they votre vie. Blocking your tomorrow from you seeing it. Ils vous empêchent de voir votre blocking avenir. Your dreams from being the real dream. Ils bloquent vos rêves. Now God will suddenly show you the right mais thing. Maintenant Dieu vous montrera le bon you chemin. Will soon capture what you are supposed to be doing. Vous allez capturer ce que vous devez faire. And strength will rise for you. Et la force se lèvera pour strength vous. Will rise for you. La force va strength se lever will rise in your bones. La force dans votre corps. Strength will rise in your bones. La force right will be the va se lever the pour vous. Oh, I said arthritis je will répète, be alors que les choses vont se lever amen. Pour les choses du passé. Arthritis will be the things of the past. Les choses du passé vont se lever. Your feet will and legs will begin to gain strength right now. Vos pieds vont commencer à se redresser. Your hips will gain strength. Vos hanches vont gagner de la force. Vous aurez de la force. Then your mind and your heart will begin to gain strength. Vos mains et votre cœur auront de la force. You will be able to get up with courage. Vous pourrez avoir du courage. Do what you are supposed et allez to be faire ce que vous devez faire. And do what God has called you to do. Et faire ce que Dieu vous a appelé and do what de God faire. Has called you to do. Et faire ce que Dieu vous a appelé de your faire. Hands vos mains we handle tiendront the good things of the Lord. Les bonnes choses de l'Éternel. Hands of yours vos mains will begin to handle vont toucher good things of the Lord. Les bonnes choses de l'Éternel. You will only handle vous ne toucherez whatever God has completed. Que ce que Dieu a mis. You will only undo. Vous ne toucherez what God has marked as success. Que ce que Dieu a mis comme you succès. Will not waste your time in life vous ne perdrez anymore. Pas de votre amen. Temps. I see somebody's way. Je vois quelqu'un dans la victoire. On vous libère. God is sending angels to make them Dieu to be envoie des anges. I say angels are straightening your way right il y a now. Des anges qui aplanissent votre chemin. We come from afar. Les gens qui viendront vous aider. To come and begin to help you and your children. Ils commenceront à vous aider. I say help us from afar. Et vos enfants. We help you and your children. Ils viendront vous God aider. We send angels to enter. Dieu enverra des anges. The hearts and mind of the children of men. And they will be helping you. Et ils vous aideront. So shall it be. Qu'il en soit. Divine protection is your portion. La protection divine. Divine protection is your portion. La protection divine est pour protection vous. Is your portion. La protection divine. You will be protected when you go out. Vous serez protégé when you go out. Quand vous sortirez. You will be protected when you come in. Vous serez protégé quand vous anywhere rentrerez. You go, angels on assignment. Partout où vous irez. We il y a des anges. You.
qui iront devant vous. Ils iront devant vous. Ils vont frayer le chemin pour vous. You will not suffer loss. Vous ne souffrirez point de perte. You will not suffer loss. Vous ne souffrirez point de perte. The anger of the Lord. Avec la soif the de l'Éternel. Anger of the Lord. La colère de will l'Éternel. Not be released upon you and your household. Ne sera pas relâché sur vous et you votre will famille. Not make mistakes anymore. Vous ne ferez plus d'erreurs. You will not transgress. Vous ne ferez plus d'erreurs. The commandment of the Lord. Dans les commandements de l'Éternel. God will anoint you with the Holy Spirit. Dieu vous bénira. God will give you Saint- wisdom. Il vous donnera uncommon wisdom will be la sagesse portion. Divine. Uncommon wisdom will be your portion. La sagesse surnaturelle sera votre portion. Vous deviendrez encore plus sage que ceux qui vous enseignent. Plus sage que ceux qui étaient devant vous. You will become a point of reference. Bientôt, vous deviendrez un point de référence. Un point de révérence. For great things. Pour de grandes choses. Not for evil things. Pas pour de mauvaises choses, great things, mais pour de grandes choses. Qu'il en soit ainsi. Money will soon be attaching itself to l'argent you. Viendra vers vous. You will not chase money. Vous ne courirez pas après l'argent. You will no longer chase money. Vous ne courirez pas money après will l'argent. You. Et l'argent money vers will come vous. To your house and be knocking l'argent at your viendra door. Vers vous. Say money is coming to knock at your door. L'argent viendra and à votre you porte. Will open the door and it will dwell with you. Et vous ouvrirez la porte. Goodness and mercy of the Lord. La bonté de l'Éternel. Will begin to follow you. Commencera à vous tapping you on your shoulder. Tapera you on your shoulder sur vos épaules and say, fear not. Et dira n'aie point we are peur with you now. Je suis avec we toi have been sent by God. Nous avons été envoyés stay par Dieu with us. Reste avec hang nous with us. Reste avec there nous will soon be your companion il y life. Aura bientôt you pour votre famille they are with you. Vous vous serez qu'ils sont not avec people vous will only tell you. Pas que les gens you vous diront will non know vous serez that God has sent you goodness and mercy. Que Dieu vous a amen. Envoyé sa bonté amen. Et sa miséricorde favor will be your portion. La faveur sera avec vous. La faveur de l'Éternel. Vous verrez la faveur. Vous trouverez la faveur. Je dis, vous trouverez la faveur auprès de Dieu. Vous vous inquiétez pour votre retraite. Mais c'est pour vous. Dieu vous parle. Dieu vous dit, il ne s'inquiète pas pour votre retraite. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit plus difficile pour moi afin que je puisse there faire is nothing. Il n'y a rien. If I can take care of Methuselah, s'il a pu s'occuper de Methuselah, I can take care of you. Je peux m'occuper de vous. If I can take care of Abraham, si j'ai pu m'occuper d'Abraham, surely I can take care of you. Bien sûr, je peux yeah. m'occuper de vous. If I can take care of Moses, si je peux yeah. m'occuper de Moïse, I will take care of you. Je m'occuperai yeah. de vous. If I can take care of Caleb, si je peux yeah. m'occuper de Caleb, I will take care of you. Je m'occuperai yeah. de so vous. So shall it be. Qu'il en soit. Somebody ainsi. Begin to clap your hands. Que quelqu'un applaudisse. Begin to clap your hands. Applaudis. As you are clapping your hands, God is making the plan of your enemy to fail right now. L'ennemi maintenant as those who are wishing you wrong, ceux qui vous veulent those who du are mal, wishing you evil, ceux qui vous veulent they du will mal. Make a way in disgrace. Ils apprendront. They are going to walk away in ils disgrace. Partiront so shall avec dans la honte. Alléluia, somebody give alléluia. Louez-le, louez-le. Alleluia. Hey. Alleluia. 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 Alleluia.
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, merci, Lord. Jésus. We are grateful, Lord. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. For the anointing here right now. Pour l'onction qui est ici présente. Keep pouring in the oil. Continue à déverser ton huile. Keep pouring in your oil. Verse ton huile. Déverse son huile sur nous. We wait on you, Holy Spirit. Nous yes, attendons Lord. À toi, Saint-Esprit. Fais ce que tu veux. So shall it be. Qu'il en soit ainsi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Give him praise and you may take your seat. Louez-le et je vous invite à vous praise asseoir. God. Alleluia. You are welcome in the presence of the Almighty God. Soyez les bienvenus dans la présence du Dieu Tout-Puissant. It's my prayer that you will be blessed this afternoon. Ma prière est que vous soyez bénis cet après-midi. You will be blessed in the presence of your God. Vous serez bénis dans la présence that's de votre Seigneur. That's the reason why you are here. C'est la raison pour laquelle vous so êtes ici. So that God can reach out to you and touch afin you. Que Dieu puisse vous toucher. So his presence can change you. Que sa présence puisse vous changer. So you can become another man or woman. Afin que vous puissiez devenir une autre personne. You cannot come to the presence of God and you remain the same. Vous ne pouvez pas venir dans sa présence et demeurer pareil. If you go somewhere where you remain the same, si vous allez dans un endroit et vous demeurez you pareil, need to be consulting your maker. Alors vous devez consulter votre créateur. Is that where I'm supposed to be or not? Est-ce que c'est le lieu où je dois me trouver? Show me where I'm supposed to be. Montre-moi où je dois être. Because the Bible says. Parce que la Bible dit. The scripture cannot be broken. L'écriture ne peut pas said, être the scripture brisée. Cannot be broken. L'écriture ne peut pas être brisée. In your presence. Dans ta présence. There is fullness of joy. Il y a la joie. And at your right hand. Et à ta main. There are pleasures from evermore. Il y a des trésors so if the Bible pour toujours. Is saying that, alors si la Bible dit cela, and my God is not a liar, et mon Dieu n'est pas un menteur, I must not approach the presence of God, alors je ne dois pas m'approcher de la présence and de Dieu, I don't receive fullness of joy. Et je ne peux pas recevoir la joie then complète. Something is wrong somewhere. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. The presence of God dans la présence de does Dieu not wait for your mood. N'attend pas votre humeur. In, as a matter of fact, d'ailleurs, if you come inside, you must go home happy. Si vous venez, that's the power in the vous presence devez repartir of God. Heureux. If you come c'est in la puissance empty, dans la présence de Dieu. If you come in empty, si vous venez vide, you must be filled. Vous devez être rempli. I say you have to be filled. Vous devez être rempli. God doesn't care about your emotional black Dieu ne s'occupe pas de vos émotions. The work of the flesh, le travail de la chair. Your attitude and your... Votre attitude. God is too big. Dieu est trop grand. When he comes in, quand il vient, anything around that place, toutes les choses qui sont autour de ce lieu, must bow, doit se bow, doit se courber. When the presence of God is in a place, quand il y a la présence de Dieu, the atmosphere must change. Amen. L'atmosphère change. When God walks into a place, quand Dieu entre dans un endroit, the Red Sea must part. L'ennemi doit partir. The Red Sea that is troubling you, la mer rouge doit se give séparer. Way. Doit se séparer. Doit se séparer. The enemy that is grabbing you, grabbing you, l'ennemi qui you, vous tient, qui s'accroche à vous, will become weakened. Sera faible. The soldiers that are assigned to be watching over you, le soldat qui a été assigné pour vous surveiller, will begin to sleep as if they are dead. Va commencer à dormir comme s'il était mort. They assign Roman soldiers to watch over the grave of Jesus. On avait assigné des soldats romains pour surveiller la tombe de Jésus. Came, mais quand le pouvoir de la résurrection Roman soldiers that are not afraid of anything. Les soldats romains qui n'avaient peur de rien. They fell down and slept as if they were dead. Ils sont tombés, ils ont dormi comme s'ils étaient morts. That's what's going to happen to those who are watching c'est over you. Ce qu'il se passera pour ceux qui vous surveillent. Evil-minded people. Ces personnes démoniaques. They have lost their vision, qui ont perdu leur vision. But only want to concentrate on la you. Seule chose qu'ils veulent faire, c'est se concentrer sur they vous. Will soon be lying down as if bientôt, they are dead. Ils vont dormir comme s'ils sont morts. Saul was chasing David. Saul poursuivait David. For 38 years out of 40 pendant years. 38 ans. On the throne. Sur le trône. That 38 years. Mais pendant ces 38 années. Led to his sudden death. A amené à sa mort. That's how your enemy will keep chasing c'est ainsi que vos ennemis vont vous poursuivre until they go and commit suicide. Jusqu'à ce qu'ils aillent se suicider eux-mêmes. They will see River Thames. They won't know it's River Thames. Ils verront la rivière et ils sauront. They will think it's M40. Ils vont penser que c'est l'autoroute. They will think it's M2. Ils vont penser que c'est they l'autoroute. Will think it's
M11. Ils vont penser que c'est la M11. And they will put their foot on the gas. Et ils vont accélérer la voiture. Ils vont accélérer la voiture. Until they crash. Jusqu'à ce qu'ils aillent mourir. Pharaoh. Pharaon and his horsemen et toute son armée galloped to go and die for the children of Israel. Ils ont galopé, ils sont partis mourir pour les enfants d'Israël. So shall it be. Qu'il en soit ainsi. In Jesus name. Au nom de Jésus. I'm still pleading the blood of Jesus for somebody je here. J'appelle toujours of Jesus. Le sang de Jésus pour the precious blood of Jesus. Le sang précieux on de Jésus. Seat. Sur la chaise with some de la miséricorde. That evil power somewhere. Qui va vaincre I cette puissance démoniaque quelque part. With your eyes you will see that avec God vos has yeux, given you victory. Vous verrez que Dieu vous a donné with la victoire. Your ear, you will hear that God has avec given vos you oreilles, victory. Vous entendrez que hey, Dieu vous a donné la victoire. Let your heart and mind be rest assured. Que votre cœur et vos pensées soient en paix. Que Dieu est avec vous. You will soon testify. Vous témoignerez bientôt. Be one of those who will testify very soon. Certains d'entre put nous your hands up. Vont témoigner bientôt. Give God praise one more time. Louez-le. It is me. It is me. It is me. It is me. Je verrai. Je verrai. Je verrai. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I don't know whether you know this song. That song we je sing. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. It says, "Oh my God, carry me, they go." Oh my God, carry me they go. Anywhere better they carry me they go. Hey, anywhere better they carry me they go. Oh my God, oh, oh my God, carry me they go. Oh my God, oh my God, carry me they go. Hey, anywhere better they carry me they go. Anywhere better they, anywhere better they carry me. Anywhere money day, anywhere money day, carry me they go. Anywhere, anywhere,
church. You may be seated. Je vous invite thank à vous asseoir. Merci la chorale. Well done, well done, well done, well done. Merci. Ah, God will carry you to where better is. Oh, amen. All of you. Amen. You have no choice anyway. God has already grabbed you. Amen. He's taking you there. Il vous emmène là-bas. I say he's taking you. Il vous emmène là-bas. Settle it in your heart. Yes, sir. God is taking you there. Amen. Bless you, Lord. Amen. Thank you very much. Thank you. Thank you. Merci. Hallelujah. Anywhere. Hallelujah. When they are talking about better people, your quand name will be there. De personnes qui God sont is the meilleurs. One who just dump you in the midst of it. Dieu vous mettra parmi you will say hello. Somebody explain to me what vous happened. Mais how que did I get here? Comment est-ce que je suis somebody arrivé là? Please wake me up. I don't que know. Quelqu'un puisse me réveiller. Is this me? Est-ce que am c'est I the moi? One here now? Comment je me trouve ici? Yes. Oui. Yes. My grandparents used to say one thing. Is a proverb. C'est un proverbe. That if a head is lying on the ground for too long. Qui dit que si une tête est couchée sur le sol pendant trop longtemps, is only to get better in the future. Cela ne pourra que s'améliorer dans l'avenir. I don't know if you understand that thing. Je ne sais pas si vous comprenez. You will catch it in 2025. Vous comprendrez en 2025. When they keep you down, 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 down. Quand on vous retient en one bas, day, en bas, en bas, un jour. They will want to go to toilet. Ils voudront aller aux toilettes. By the time they come back. Et à leur retour. You are on your way. Vous serez élevé. They won't even see your brake lights. Ils ne pourront plus vous voir. They will just be seeing you going like a rocket. Ils vous verront partir comme une fusée. So shall it be for you. Amen. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Don't you like the presence of the Lord? Est-ce que vous n'aimez pas la présence de Dieu? Alléluia. David prayed. David a prié. He said, "Restore unto me." Il dit, restaure en moi. The joy of your salvation. La joie de ton salut. And uphold me. Et sur moi. Somebody say, uphold me. Et retiens-moi. With your free spirit. Soutiens-moi avec ton esprit libre. Uh-huh. Now he says, maintenant, the next verse. Il dit. Then will I teach. Et ensuite enseignement. Transgressors. Mes transgressions. Your ways. That means before. Ton chemin. Without that joy. Cela veut dire que auparavant. Without that spirit. Sans cette joie, sans cet esprit. I will keep struggling. Je vais continuer à avoir des problèmes. I won't have the mind to want to teach somebody how to do right. Quand vous voulez enseigner à quelqu'un comment faire de bonnes choses. I won't have the heart to help somebody. Je n'aurai pas le cœur d'aider quelqu'un. I'll be too busy with what I'm dealing with every day. Concentré dans tous mes soucis. But à moi. When he put the joy of salvation mais in your heart. Mais quand il met la joie du salut en vous. The enemy's noise will come to an end. Les problèmes hey. De l'ennemi s'arrêteront. All the struggle will stop. Tous vos problèmes vont s'arrêter. Now you have time. Et maintenant vous aurez le temps. To look for God properly. Afin de chercher Dieu correctement. God with peace. Et servir Dieu dans la paix. You will serve God in peace. Vous servirez Dieu not dans la in paix. Pieces. Amen. Pas en petits morceaux. So shall it be. Qu'il en soit. Somebody give God praise one more time. Quelqu'un puisse le louer une fois de plus. One more time, you are welcome to the presence of une the Almighty plus, God. Vous êtes les bienvenus dans la présence du Dieu Tout-Puissant. God will give you what you are looking for. Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Also, I want to thank our senior pastor. J'aimerais aussi remercier notre pasteur principal. Pastor Matthew Ashimolowo. Pasteur Matthew Ashimolo. Our resident pastor, Pastor Yemisi. Notre pasteur résident, Pasteur Yemisi. Ashimolowo. Ashimolowo. And our CEO, Pastor Dipo. Et notre directeur général, Pasteur Dipo Oluyomi. I pray that God will strengthen them. Je prie que Dieu puisse les fortifier. Give them more wisdom. Leur donner plus de sagesse. And long life and prosperity. Une longue vie et la prospérité. For what they are doing to us in French Connection. Pour ce qu'ils font pour nous ici à French Connection. And God will continue to speak to them about et French Dieu Connection. Et Dieu va continuer de leur parler. How to favor pour French Connection. Connection. Afin qu'ils nous donnent la faveur. How to support French Connection qu'ils puissent continuer à soutenir French Connection. So shall we be. Afin que so nous puissions continuer d'être. We will not do anything that will upset them in nous Jesus' name. Nous ne ferons rien qui ne puisse les fâcher. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Turn with me. Ouvrez vos Bibles. To our favorite scripture. Dans notre écriture préférée. The book of Joshua. Dans le livre de Josué. Chapter 21. Josué 21. Verse 43. Au verset 43. The book of Joshua. Le livre de Josué, chapter 21, chapitre verse 43, 21 au verset 43. Joshua 21, Josué 21, verse 43, au verset 43. Okay, I'm reading from the Amplified version. Je lis la version amplifiée. If you're there, si vous êtes là,
Read with me in your heart. Lisez avec moi dans vos cœurs. The Lord God gave Israel all the land which he has sworn to give to their fathers, their ancestors, and they took possession of it and lived in it. Father, we thank you for your word. Père, nous te remercions pour ta parole. Bless the hearers. Bénis celui qui entend. And the reader of your word. Et celui qui lit ta parole. In Jesus' name. Au nom de Jésus. We are still in our series. Nous continuons notre série. 2022. My year of taking over. L'année de la prise de pouvoir. Of all that the Lord de tout ce que l'Éternel has prepared for me. A préparé pour moi. I'm changing it a bit to be personal. Je le modifie un peu de façon à ce que ce soit personnel. Must change it to be personal. Vous devez le changer de façon à ce que cela devienne personnel. The original title, le titre original, is 2022. The year, l'année, of taking over, de la prise de pouvoir. All that the Lord has prepared for us. Tout ce que l'Éternel a préparé pour nous. Praise the Lord. Gloire à Dieu. That's what it says. C'est ce qui est dit. But I'm personalizing it for myself. Mais moi, je le redirige pour and moi. I know, and I hope that you are doing the same. Et j'espère thing. Que vous aussi vous faites la même chose. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Loué soit l'Éternel. This is a promise. C'est une promesse made to Abraham. Qui a été faite à Abraham. And then it became fulfilled. Et cette parole s'est accomplie. In the days of Joshua. Pendant les jours de David, de Josué, pardon. When it was going to be fulfilled. Quand cette parole devait s'accomplir. Joshua and the children of Israel. Josué et les enfants d'Israël. Were still alive. Étaient toujours en vie. That scripture. Cette écriture. Made reference to Israel. Fait référence à Israël. God will not make a mistake. Dieu ne peut pas faire d'erreur. There is no mistake with God. Il n'y a pas d'erreur avec Dieu. If there is a blessing that has your name on s'il it, y a une bénédiction avec votre nom dessus, God will not go and give it to somebody Dieu else. N'ira pas le donner à quelqu'un d'autre. Unless the person is careless. À moins que la personne soit négligente. All accidents. Tout accident. Can only happen. Ne peut qu'arriver. Through what? Carelessness. À travers la négligence. Through what? À travers quoi? When people are careless. Quand les gens sont négligents. It has to be one person that is careless. Il suffit juste qu'une personne soit négligente. Then it affects everybody else. Cela va affecter tout le monde. I was about age 21 or 22 there. Quand j'avais 21, 22 ans. When I was working for McDonald's. Quand je travaillais au McDonald's. And they were training us. Et ils nous formaient. And they were talking about fire. Et ils parlaient du feu. Accidents in the kitchen. Les accidents qui peuvent arriver dans la cuisine. And they told us. Et ils nous ont dit. All accidents. Tout accident. Happens through carelessness. Arrive à cause de la négligence. In my head then. Dans ma tête à ce temps-là. I said, how can you say through carelessness? Je me disais mais comment est-ce qu'ils peuvent dire cela? What if somebody just decided? Donc juste une personne peut décider. To cause accident. De causer un accident. Is that carelessness? Ça c'est de la négligence? They said to me, you don't understand. Ils m'ont dit non, tu comprendras. Someone, quelqu'un, is what? Careless. Est négligent. It's a two word. C'est un mot qui a il y a deux mots dedans. March together. Qui fonctionne ensemble. To become one. Afin de devenir un seul mot. Number one is what? Care. Premier mot c'est le neglect. That means care. Qui veut dire prendre soin. That's why we use the word be careful. C'est pour ça que nous disons faites attention. Be full of care. Fais vrai, sois plein d'attention. Care means you are paying attention. Cela veut dire que vous preniez soin. To anything you do. Et vous êtes attentif à tout ce que to vous faites. To anything you do. Vous êtes attentif à even tout ce que vous faites. The class. Même à l'école. You are studying. Vous étudiez. Pay attention. Soyez attentif. They talking to you. On vous parle. Pay attention. Prêtez attention. One of my boys. Un de mes fils. When he was like a 1 year old, 2 year old, peut-être around that time. Quand il avait un an ou deux ans. He would go and grab the door. Il allait attraper la porte. And he would
He would try to close it. Et il essayait de la fermer. And put his two fingers like this. Mais il me laissait ses deux doigts. And I said, "Don't do that." Et je disais, attention tes doigts. He would look at me and begin to laugh. Il me regardait puis rigolait. And try to do it again. Et ses doigts se coinçaient. Enjoying the reaction from me. Et puis il se moquait un peu de I moi. Kept telling him, hey, je continuais de lui dire. Doors can bite. Les portes peuvent te like mordre. A dog. Comme un chien. Don't let the door bite you. Ne permets pas à la porte de te mordre les doigts. He was standing like, hey. Il restait là et rigolait. And then, lo and behold, without knowing, et soudainement, he slammed the door. La porte s'est fermée. Forgot to take the fingers il off. A oublié d'enlever ses deux doigts. Ah! Even when you want to, you même, after this happened, même you que want cela to soit close passé, the door. Vous voulez fermer la porte vous-même. He will jump up wherever he's around towards you. I said, no, don't touch that thing. Il allait sauter et puis il allait dire, ne touche pas la porte. He will start crying, no, don't touch. Non, ne touche pas la porte. Parce qu'il avait compris. Carelessness. La négligence. But when you are careful, you are full mais of care. Quand vous êtes attentif et vous faites you attention, will be okay to get all your blessings. Vous n'aurez pas de problème à recevoir God toutes will vos give bénédictions. You that careful attitude. Dieu vous donnera cette attitude. They will pass on to your children. Vous prenez soin de toutes choses et vous le passerez à vos enfants. Two words. Deux mots. Care. Prendre soin. And less. Et moins négatif. We have careful. Nous devons. Il y avait le mot qui veut dire faites attention. This one that is full of care. Celui qui prend vraiment soin and de tout qui est without care. Et celui qui est négligent, qui ne less, prend soin de rien. Less care. Qui prend moins soin des choses. They are the one that will say, I don't care. C'est ceux qui vont dire, oh, peu m'importe. Peu m'importe. You have not met people that will handle you. Tu n'as pas encore rencontré des gens qui vont bien s'occuper de care. Toi. Là, tu feras attention. You will go around preaching care. Tu iras maintenant, tu vas commencer by à prêcher, de faire attention hey, quand ils auront fini de te gérer. I don't care. Oh, je m'en fous, je m'en you fous, have not met them. Tu n'as pas encore fait face praise à ces personnes, Lord. Gloire à Dieu. God's promise for your life. Les promesses de Dieu will pour votre miss vie you. Ne vous rateront pas. Look at the time God promised regardez Abraham. À quel temps Dieu avait promis look, à Abraham. Look at the time it came to pass. Regardez à quel moment est-ce que cela s'est accompli. Do you know how many people that died before this? Est-ce que vous savez combien de temps sont morts avant que cette parole puisse s'accomplir? Yours will not be too long. Mais pour vous cela ne sera pas trop long. You will not be alive and give your blessing to somebody vous ne serez pas en vie et on donnera vos bénédictions à quelqu'un d'autre. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So we are looking at. Alors nous regardons maintenant. Taking over. Prendre le pouvoir. What God ce que Dieu has prepared a préparé for you and I. Pour vous et moi. And we are looking at what is it that we can take et over. Et nous regardons mais de quoi devons-nous prendre le contrôle? So we started looking at what. Alors nous avons regardé quels sont les différents points. Original image. L'image originale de Dieu. We help you. Vous aidera. You need to take over your original image. Vous devez reprendre votre image originale. The one that God sees. Celle que Dieu voit. And relates with. Et avec laquelle il communique. Not the wrong one. Pas la mauvaise image. You know criminals when they go and kill people. Vous savez les soldats quand ils vont tuer des gens. Men, we are talking about. Nous parlons d'hommes. They too now are applying makeup to look different. Eux aussi, hey! Ils mettent du maquillage pour paraître where différents. Where is this world turning into? Regardez comment ils sont en train de tourner ce monde. Like one useless man in my country. Comme il y a un homme dans mon pays. A man. Un homme. Because he wants to make money. Parce qu'il voulait se faire beaucoup d'argent. When you see him, you won't know that he's a man. Quand vous le voyez, vous n'allez pas croire que c'est the un homme. Dress, you won't know that he's a man. Il s'habille, vous ne pourrez pas savoir que c'est un homme. He's one of the top fashion icon not just in Nigeria. Dans une grande in America, maison de couture. In Italy, aux États-Unis. En Italie. When you see him, you say what a beautiful woman. Quand vous le voyez, vous allez dire mais quelle jolie femme. He's on Instagram. The followers on Instagram. Ceux qui le suivent sur Instagram. Is enough to open a church. Ils sont assez pour pouvoir and use Wembley Stadium. Une église et remplir le stade de followers Wembley. Followers on Facebook. Ceux qui le suivent sur on Facebook. Twitter. Sur Twitter. His name is Bobrisky. Son nom c'est Bobrisky. Have you seen him before? I'm est-ce not going to say her. Vu auparavant?
Him. Lui. Him. Lui. When he put the makeup on, quand on le maquille, there's nothing you are using as a woman for makeup that he doesn't sell. Tout ce que vous utilisez pour les femmes pour se maquiller, il l'utilise. Up to your Brazilian hair, même les mèches brésiliennes. Puerto Rico hair, whatever hair. Les mèches de Puerto Rico. He has them. Lui aussi, il les a. He has shop in big, big places. Il a des magasins dans des grands endroits. He travels like flies. Il voyage comme la mouche. You know, fly, when fly and wasp when they are moving around. Vous voyez les mouches comme elles voyagent partout. He's here, he's there. Il est ici, il est là-bas. Go and Google him. You will say, allez chercher son nom sur Google. You won't even know that he's a man. Vous ne saurez même pas que c'est un homme. Criminals will go and do makeup. Les criminels vont aller se maquiller. So that they won't be found. Afin qu'on ne puisse pas les reconnaître. But if they shed innocent blood. Mais si ils font couler le sang innocent. The innocent blood, like the blood of Abel. Comme le sang de Abel. We visit their neighbor. Ce sang viendra visiter leur voisin. And speak to the neighbor that this is the one they are looking for. Et dire c'est celui que vous cherchez. Hello. Hello. See what's happening in the atmosphere. Regardez ce qui se passe dans l'atmosphère. Blood speaks. Le sang parle. I say blood what? Je répète, le sang parle. Praise the Lord. Gloire à Dieu. One, I think he went to rape children or something. Il y a une personne many qui est partie violer des enfants il y a longtemps. And put the face. Look. Et il avait some mis of them died. Put visage. The face. Et il avait mis le visage on social media. Sur les réseaux sociaux. Use computer to roll the face. Et il a utilisé l'ordinateur pour pouvoir effacer le visage. So that it can look like white wind. Afin qu'il puisse ressembler à autre chose. But little did he know. Mais il ne savait pas. The same devil that made him to go and do that. Le même Satan qui lui a dit de faire ces mauvaises choses. He's the one that put idea in the head of police officers c'est in this country. C'est le même Satan qui a donné des idées aux policiers. Who contacted Interpol? Qui ont contacté Interpol? And used same technology. Et ils ont utilisé la même technologie. To unwind his face. Afin de découvrir son visage. And the original face came out. Et son véritable visage est sorti. And they send it to the people in his country. Et ils l'ont envoyé aux personnes de son pays. And lo and behold. Et ils l'ont arrêté. He was in the house thinking he's sleeping well. Il pensait qu'il dormait tranquillement chez lui. Until they made him to sleep unwell. Jusqu'à ce qu'on l'a fait dormir maintenant dans You know the way they work in this country. Vous savez la façon dont ils travaillent dans ce pays. They will be doing covert surveillance. Ils vont vous surveiller. You just see one man inside one van. Vous venez peut-être voir une personne dans un camion. He's sleeping there, he's waking up there. Il dort là et il se réveille dans cette voiture. He doesn't need to go out to do shopping. Il ne va pas faire de courses. They will talk to him in the morning. I don't care. Ils vont lui parler le matin au téléphone. What would you like to have for breakfast right now? Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? You just see they come in, open the bag of the van and give him the food. Et ils vont lui donner sa nourriture. So, but nobody knows what's going on. Mais personne ne sait ce qui se passe. When you walk past, he's got newspaper in his face. Quand vous passez à côté, il lit son journal. You would think he's a common builder. Vous pensez juste que c'est un constructeur. He's got camera like this watching. Il a des caméras. Watching that person in and out. Qui surveille. Storing the time he goes in, he comes out. Ils enregistrent toutes les informations. Knows the time that he'll be sleeping and snoring. Ils savent à quelle heure cette personne va se coucher. And lo and behold, all of a sudden, in one middle of the night. Et soudainement, au milieu de la nuit. About 30 officers. 30 policiers. They look like demons. Ils ressemblent à des démons. They have everything covered, everything looking like this. Ils ont leur armure avec un masque. Even you that didn't do anything wrong. Même vous qui êtes innocent. When you see them in the middle of the night, you'll be scared. Quand vous les voyez au milieu de la nuit, vous aurez peur. Then they have their dogs. Et ils ont leurs chiens. They have Lizzie. They have Lizzie. Lizzie. Name of a person. They have Lizzie. Ils ont des Lizzie. They have Daisy. Ils ont aussi des noms Daisy. They have. Ce sont le nom des chiens. They give them names, all sorts of names. Ils donnent des noms à ces chiens. They say, come on, Lizzie, come on, Lizzie. Et ils vont dire, viens, Lizzie, viens. And you see Lizzie wagging her tail like et this. Et vous voyez le chien qui marche comme ça. That one can sniff anything. Celui-là peut sentir toute chose. He's already at the back garden, already waiting. Il est déjà derrière en train d'attendre. They put Lizzie inside the garden. Ils vont mettre ce chien, Lizzie, dans le jardin. The man is still sleeping in the bedroom. L'homme dort dans sa chambre. They will come in with the ram, you know. Ils vont venir avec un massive door breaker. Avec ce gros marteau qui casse les portes. Bang! Et ils vont taper dans la porte. Breaking and say, police, freeze! Ils vont casser la porte et entrer dire
Police, arrêtez. Then they will yank him out of bed. Et ils vont l'attraper, le faire sortir du lit. God help him if he's sleeping with his trousers on. Que Dieu l'aide s'il dort avec son pantalon. Are you hearing this? Vous entendez cela? Ah, in this country. Dans ce pays. They know how to do their stuff. Ils savent comment travailler. When the person is not deep in sleep, quand la personne dort en profondeur, they won't come at 1 a.m. Ils ne vont pas venir à 1h du matin, non. Pre-adventure is still alive, drinking or watching. Peut-être il est en train de boire ou regarder la télé. They will come around 3:30, ils vont venir vers 3h, 3h30. Like the Bible says, when men comme are la Bible asleep, dit, quand l'homme dort, they will bang the door down, bring him out. Ils vont venir briser sa porte et le faire sortir. Oh, don't you see them sometimes in London? Vous ne les voyez pas des fois and à Londres. Walking like this. Et puis ils marchent comme ça. Uh-huh, you are now in trouble. Vous êtes maintenant dans les problèmes. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Anyone trying to manipulate things, hiding under something, l'identité de to torment your life, pour déranger votre vie. God will send heavenly policemen. Dieu va envoyer des anges. I say heavenly policemen. To go and arrest them. Their life will be arrested. Leur vie sera arrêtée. Their mind will be under divine arrest. Leur pensée sera arrêtée. They will be going around begging. Ils vont se promener, I don't ils know vont what's supplier. Wrong with me. Somebody help me je here. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais they aidez-moi. Will be saying, I don't know, can somebody explain? Que quelqu'un puisse m'expliquer ce qui they se will passe. Not find any helper. Mais ils ne trouveront personne praise pour les Lord. Aider. Gloire à Dieu. So we got to this point number 4. Alors nous sommes arrivés à ce point numéro 4. God still has a message for somebody. Dieu a toujours un message pour quelqu'un. It's a God's call. Il est dit l'appel is de Dieu linked est lié to his word à sa parole and his voice et à sa voix. We've treated many things about nous this. Avons déjà vu beaucoup de points là-dessus. In the last two Sundays, dans les deux derniers dimanches, we learned that there are a lot of blessings nous avons appris qu'il y a beaucoup de available to those that make a spiritually informed. Qui sont disponibles pour ceux qui sont spirituellement disponibles. Decision. Qui prennent des décisions. To yield to God's voice. Qui décident de se soumettre à la voix de and Dieu. And God's calling. Et à l'appel de Dieu. For their lives. Pour leur vie. And the question is, et la question est, Mr. Preacher, tell me, pasteur, dis-moi, where it is in the Bible. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible? So we open the book of Deuteronomy. Alors nous avons ouvert la Bible dans le livre de Deutéronome, chapter 28, au chapitre 28. The book of Deuteronomy, dans le livre de Deutéronome, chapter 28, au chapitre 28, is divided into two sections. Et c'est coupé en deux parties. God told Moses, Dieu a dit à Moïse, to go on one mountain, d'aller sur la montagne, pronounce the first part, de prononcer la première partie, on the children of Israel, sur le peuple d'Israël, then go to another mountain, et ensuite d'aller sur une autre montagne, and pronounce the second part, et prononcer la deuxième partie, again on the children of Israel, encore sur le peuple d'Israël, the mountain that they pronounce the blessing. La montagne sur laquelle il a déclaré les still flourishing till today. Elle continue à fleurir aujourd'hui. But the mountain where they pronounce curses. Mais la montagne sur laquelle les malédictions ont été prononcées. Even common plants struggle to grow there. Jusqu'aujourd'hui même les mauvais plants ne grandissent pas. Because of the curse. À cause de la malédiction. So you got to be careful now. Alors vous devez faire très attention. How you walk in life. Comment est-ce que vous marchez dans la vie? How you behave yourself. Comment vous vous comportez? Because these things are still going around. Parce que ces choses continuent de bouger dans l'esprit. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We're not going to talk about those two mountains today. Nous n'allons pas parler de ces deux montagnes aujourd'hui. And, you know, or we will never go anywhere. Où vous n'avancerez pas. We are focusing on the blessings. Nous allons nous concentrer sur les bénédictions. Of listening to the voice of God, qu'il y a à écouter la voix de Dieu, and answering your own calling, et de répondre à votre propre appel. You will not rebel. Vous ne vous serez pas des rebelles. The strong man in the family will not make you rebel. L'homme fort dans votre famille ne permettra in ne fera Jesus pas name. Que vous puissiez vous détourner au nom de I Jésus. See somebody, je vois quelqu'un. There is a sudden U-turn. Il y a un retournement soudain. Similar to that of the prodigal son. Très similaire à celui du fils like prodige. C'est juste un flash que you j'ai walked out of here. Vous êtes sorti d'ici. And you say, I'm going back. Et vous vous êtes dit, je retourne. To
what God has already called me to do in the first place. À ce que Dieu m'a appelé de faire au premier lieu. There is a song that we used to sing. Il y a un chant que nous chantions. Many years ago. Des années passées. He says, qui disait, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the things I made. It's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. For it's all about you. Hey! It's all about you, Jesus. I'm sorry for the things I made. For it's all about you. Hey! It's all about you, Jesus. It's all about Jesus. Everything I do in life, tout ce que je fais dans la it vie, must be about ça doit être à propos de Jésus. So what is it? Alors qu'est-ce qu'elle est la chose that is disturbing me, qui peut m'empêcher, making it hard, afin d'avancer, so that is not about Jesus. De façon à ce que ce that soit thing pas is pour an evil Jésus. Thing. Cette chose est démoniaque. Cette chose est mauvaise. And I'm not gonna let that thing rest. Et je ne vais pas permettre que cette chose se repose. Oh. Est-ce que vous allez permettre stopping cette you chose from getting the blessing. Elle vous empêche d'attraper vos bénédictions. Elle vous empêche to come to pass. Elle empêche ses promesses de pouvoir s'accomplir. Hey, pendant votre vie. I don't know who God is singing. Je ne sais pas à qui Dieu parle maintenant. That you have to go back. Mais vous devez retourner to the heart of worship. Dans la maison ou dans le cœur de l'adoration. Must become a worship. Hey. Votre vie doit être une adoration. Votre vie doit être une adoration. Chaque jour que vous vivez is a worship to God. C'est une adoration pour Dieu. Combien d'entre vous vont faire cela? The step you are taking, les pas que vous prenez, is to worship God. C'est d'adorer Dieu. God will give you the anointing. Dieu vous donnera ce cœur. Anything you do, we will toute chose que vous ferez a representation va devenir of une représentation et l'adoration à Dieu. That position? Qui veut entrer dans God cette will position? Put you in that position. Dieu Amen. Vous mettra dans you cette will position. Build houses. Vous construirez des maisons so that God afin que Dieu pourra utiliser cela afin de toucher son peuple. Afin qu'il puisse réaliser qu'il est le Dieu. You God is going to use. C'est lui que Dieu utilisera. Stop thinking about me and me alone. Arrêtez de penser qu'à vous-même. Stop thinking, oh, as long as I make it, it's okay. Arrêtez de penser que autant que moi j'y arriverai, to church and worship. Tout ira no, bien. No. Et louer, non. Anything you lay your hands upon, tout ce que vous allez toucher, we become a representation of worship. Deviendra une représentation d'adoration to à Dieu. Amen. To God. À Dieu. Amen. To God. À Dieu. So who is it that is on your case? Alors qui est sur votre cas? Who is it that is working hard? Qui travaille dur? Tirelessly to stop you. Sans arrêt afin de vous they arrêter. They are going to be stopped from today. Ils sont Amen. Arrêtés à partir Heaven d'aujourd'hui. Stop them from today. Les cieux vont les God arrêter aujourd'hui. God is speaking to somebody. Dieu parle à quelqu'un. Don't be afraid. N'aie point peur. Stop being afraid of family. Arrête d'avoir peur de la famille. The strong influence your family members have over you. Les membres, l'influence que les membres de votre It famille ont sur from vous. Now on. Elle s'arrête maintenant. You are going back to the heart of vous allez retourner dans worship. Le cœur de l'adoration. You are going back to the heart of worship. Vous retournez dans le cœur de l'adoration. See how many regardez combien suffered, ont souffert died, dans les ténèbres, sont morts. Perished, ils ont péri. For this to be fulfilled, afin que cette parole puisse être accomplie. For this scripture to be fulfilled, afin que cette écriture can soit you accomplie. Please do me a favor. S'il vous plaît. Sit down and begin to think about it. Asseyez-vous et commencez à penser from à cela. From the days of Abraham. Depuis les jours d'Abraham. Isaac. D'Isaac. Jacob. De Jacob. Many more after. Beaucoup d'autres après eux. This included Joseph. Et cela inclut aussi Joseph. The two sons of Joseph. Les deux fils de Joseph. All the way. Tout le long. To the father of Moses. Jusqu'au père de Moïse. Up to Moses. Jusqu'à Moïse lui-même. Still, it was not fulfilled. Cela n'avait pas été accompli. They only had it in their mind. La seule habitude qui était dans leur pensée
Like the book of Hebrews said. Comme dans le livre d'Hébreux qui dit. That somebody, they, some of them, they saw the vision. Certains ont vu la vision. But they did not get there. Mais ils n'y sont pas but entrés. They kept walking in faith. Ils ont continué à marcher dans la foi. If I can't get there, my children will get there. Si moi je n'entre pas dans la terre promise, mes enfants. Your children will not miss the promises of God. Mais vos enfants ne manqueront pas la promesse de Dieu. Hey. Even when it comes to the edge of success, même quand vous arrivez à la limite du succès, God will help them to make it. Dieu les aidera afin qu'ils réussissent. God will help them to make it. Dieu les aidera afin qu'ils réussissent. I've seen many people. J'ai vu beaucoup de personnes. They bought land. Ils ont acheté des terrains. They laid foundation. Ils ont mis la fondation. They built the house. Ils ont construit la maison. As they were about to do the roofing, et alors qu'ils allaient faire le toit, they dropped dead and died. Ils sont morts. Some they've completed everything. Certaines personnes ont même fini de construire la maison. Just to celebrate and moving. Et juste quand ils ont célébré avant d'emménager. It wasn't them. C'était. That moved in. Ce n'est pas eux qui sont entrés dans la it maison. It was only their dead body. C'était juste leur corps mortel. They had to bury them in the backyard. On a dû les enterrer dans that le jardin. That is the wickedness of evil powers. Ça c'est la méchanceté. Not your portion, man. Mais ce n'est pas votre somebody portion. Somebody say not my portion. Que quelqu'un dise Amen. Pas ma portion. God will help me. Dieu m'aidera. The Lord my God will help me. L'Éternel mon Dieu to m'aidera. To finish anything I start. Afin que je finisse toute chose que je to commence. To celebrate the success of what afin I have started. Célébrer les succès my de ce que God j'ai commencé. Me. Mon Dieu m'aidera. Listen to me carefully. Écoutez-moi avec spiritual attention. Warfare. Le combat spirituel. Is part and parcel of your life. Cela fait partie de votre don't vie. Don't just be an ordinary Christian. Ne soyez pas juste un chrétien ancien. Oh, je vais là partout. Somebody somewhere is looking at you. Il y a quelqu'un quelque part qui vous regarde. And they are not happy that you are making it. Et ils ne sont pas contents que vous réussissiez. Somebody back home somewhere. Il y a quelqu'un quelque part au pays. Is thinking of you. Qui pense à vous. Thinking that something will happen. Qui pense qu'il aimerait que quelque chose vous arrive. So they can take things over. Afin qu'ils puissent prendre. Ce qui vous appartient. Mais la seule chose qu'ils prendront is their mortgage deed in the graveyard. C'est leur titre de porte-propriété au cimetière. Je ne sais pas pour qui cela est. J'ai vu une révélation every claire. Time when you are sleeping, you see graveyard. Chaque fois que vous dormez, every vous voyez time des tombeaux. You see coffin. Vous voyez des tombeaux. Because somebody wants to sit on what belongs parce to you. Parce que quelqu'un veut s'asseoir sur ce qui so lui appartient. They kept doing witchcraft. They kept doing... Alors ils continuent à faire la sorcellerie sur vous. That graveyard, said, mais ce tombeau, they will be the one that will occupy it. C'est eux qui vont entrer là-bas. I said they are only doing je so répète, they can go and occupy ils font cela Amen. Pour eux-mêmes. Ah, like Saul. Comme Saül. David, il a poursuivi David until he went to fight the wrong war. Jusqu'à ce qu'il allait faire le combat avec la and mauvaise armée. He and his sons et lui et ses fils died. Sont morts. That's how they would chase you until they die. C'est comme ça qu'ils vont vous poursuivre et ils mouriront. There is one posting I put on social media many years ago. Il y a un post que j'avais mis dans mes réseaux sociaux il y a longtemps. It showed the picture of a wild dog or something. Cela montrait la photo d'un animal sauvage, d'un chien sauvage. And a bird. Et un oiseau. Kept trying to catch the bird. Qui essayait d'attraper. The bird kept moving. Et l'oiseau continue à s'en. You know, like the way bird will land in your garden. Vous savez quand l'oiseau se pose dans votre jardin. And you want to go near so that you can. Et vous essayez de vous approcher, vous voulez l'attraper. The more you take step, the more they jump like this. Mais plus vous vous approchez, plus l'oiseau s'en. They are looking at you. You are looking at them. Vous vous observez. They will be looking because the way God put their eyes. Parce que la façon dont Dieu a placé leurs yeux. They can see it, do a 360 vision. Ils peuvent voir 360. You are sneakily moving. Vous avancez tout doucement. They will be moving. Et lui aussi, l'oiseau avance parce qu'il peut vous voir. Kept chasing the bird. Il continuait à le poursuivre. Until the bird got to the edge of the jusqu'à ce que cliff. L'oiseau soit arrivé au bord de la falaise. Mountain top, the top of the mountain. Au bord de la falaise. High up in the sky. Et il s'est envolé. And he thought that now I've got you. Et le chien a pensé, oh, je te tiens maintenant. You will not be able to jump. Tu ne pourras pas sauter. He doesn't know birds have wings to il fly. Ne sait pas que l'oiseau a des ailes pour voler. He's thinking the bird will want to run back. Il pensait que l'oiseau allait s'enfuir par derrière. The bird was taking this silly animal to his own territory. Mais l'oiseau emmenait ce chien dans son propre territoire. Now it jumped to pounce on the bird.
Et le chien a essayé d'attraper. Guess what? Que s'est-il passé? The bird did what is natural. L'oiseau a fait ce qui était naturel pour lui. Open up. Il a ouvert ses ailes. The wings. The wings. Il a ouvert ses ailes. And then. Et ensuite. Flew. Il s'est envolé. And he is jumping already. Et le chien a déjà sauté. That's how they will jump. Et c'est comme ça que vos ennemis vont sauter et ils trouveront leur mort. They think they want, they can capture you. Ils pensent qu'ils peuvent vous attraper. They don't know that they only chase you to your territory. Ils ne savent pas qu'ils sont dans votre territoire. Dans l'endroit où c'est vous qui dominez. Le lieu où vous dominez. That stupid dog. White dog. Cet animal qui pensait être intelligent. Whether it's jackal, whether it's fox, whatever. Quel que soit le chien, que ce soit un renard, un chacal. Did not listen to the mother. Il n'avait pas écouté à ses parents. That when you see bird, quand vous voyez les oiseaux, the reason why they have wings is to fly. La raison pour laquelle il a des ailes, c'est pour voler. And they can fly from anywhere. Et ils peuvent s'envoler de n'importe où. Same thing applies to you. La même chose s'applique à you vous. You can rise up from anywhere. Vous pouvez Amen. Vous élever de tout endroit. You will be able to soar like an eagle. Vous pourrez Alleluia. Vous envoler comme Don't un aigle. Be afraid anymore. N'ayez point peur. They are only trying to scare you in the dream. Ils essaient de vous effrayer But dans les in the rêves. Reality, Mais dans la réalité, it's a different story for c'est une histoire différente pour they vous. Will not succeed in Jesus ils ne réussiront pas. I don't know who God is speaking Je ne sais pas à qui Dieu parle. It's based on this thing we are reading. Mais c'est basé sur la parole. It's your time. C'est votre temps. So we are looking at the book of Deuteronomy. Alors nous regardons dans le livre de Deutéronome. This is the blessing that we accompany. Voici les bénédictions qui accompagneront. Let's look at them quickly. Regardons rapidement. There are 14 verses. Il y a 14 versets. Full of blessings. Plein de bénédictions. Of about 33 or 34 blessings. 33 ou 34 bénédictions. We are going to run over them very quickly. Nous allons passer rapidement dans Deutéronome. 14 verses. Il y a 14 versets. And we have 54 verses. Et nous avons 54 versets. Full of curses. Plein de malédictions. Why do we have 54? Pourquoi est-ce qu'il y en a 54? Why is it more than blessing? Pourquoi qu'il y a plus de malédictions Because ou de bénédictions? God wants your obedience. Parce que Dieu veut que vous soyez obéissants. On Tuesday, we read some of those few ones. Le mardi, nous avons parlé de certains. Remember them? Vous vous souvenez? Any heart that is not grateful. Un cœur qui n'est pas reconnaissant. Any heart that comes before presence of God. Un cœur qui vient dans la présence de Dieu. Moody. De mauvaise humeur. Look, et fier. What has God done for me? Et qui est gonflé You standing at that place is God doing something for you? Tenez dans ce lieu, est-ce que Dieu n'a rien fait pour vous? Soyez reconnaissant. C'est Satan. We know our power to make you ungrateful in the presence of Il God anymore. Il ne permettra pas que vous soyez non reconnaissant à Dieu. Some they are arrogant. They will come. Certaines personnes sont arrogants. They will come and put their hands in their pockets. Ils vont se placer d'une certaine position. And they will be doing this. Et ils seront fiers. Before God. Devant Dieu. What they say in the presence of the Lord. Quand on dit dans la présence there de is fullness of joy. Il y a la joie. You are too busy with your hands in your pockets. Vous êtes trop occupé avec vos mains dans les poches. What hands are you going to use to receive the blessing they are passing along? Quelles mains est-ce que vous allez utiliser pour recevoir la bénédiction? The devil is a liar. Mais Satan est un menteur. He makes people to be ignorant. C'est lui qui fait que les gens soient ignorants. Some of them they cannot open their mouths to praise God. Certaines personnes ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour louer Dieu. They don't know it's the devil that is starting their. Ils ne savent pas que c'est Satan qui attache leur bouche. They are there in that in those scriptures. Ils sont là dans les Écritures. One of those 54 verses. Dans l'un de ces 54 versets. I think is Verse 46 Peut-être or 48. Dans le verset 46 ou 48. Between 46, 47 and 48. Entre 46, 47 et 48. You can read. You need to read them so you are wise. Vous pouvez lire et cela vous rendra sage. From verse 15, you say, no, it's not me. I'm not going to behave like this. Dans à partir du verset 15, il est dit, vous ne vous comporterez pas comme ça. I won't make this mistake. Car il est dit, je ne ferai be pas wise. Cette erreur. Somebody say, be wise. Soyez sage. Where we come from? D'où je viens? They used to quote this proverb that is On funny. On appelait ce proverbe. But it's the biggest mistake. Mais c'est une grosse erreur. They used to say, "What you don't know won't kill you." Ils disaient que ce que tu ne connais pas ne te tuera pas. Is the great grandfather of mistakes. Mais c'est une grosse erreur. What you don't know won't ce kill que you. Tu ne connais pas ne te It tuera pas. It will more than kill you, man. Mais oui, cela te tuera. C'est l'ignorance qui tue.
Ignorance is a disease, like my mom used to say. L'ignorance est une maladie. Ignorance is what? L'ignorance c'est quoi? A disease. C'est une maladie. Oh, you don't know won't kill you. It's because you are ignorant. Tu ne connais pas, ne te tuera pas. C'est parce que tu es ignorant. Be wise. Soyez sage. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Yeah. So let's look at verse 1. Regardez le verset premier. In verse 1. Dans le verset 1. That's where you find blessing number one. C'est là où vous trouverez la première bénédiction. Let's run it. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. It comes with a condition. Cela vient avec une condition. If you hearken, si vous vous pliez, to the voice of the Lord your God, this is what God will do. Votre, de l'Éternel. That's blessing number one. Everything voilà blessing number one. Pour vous, la première bénédiction. Verse 2. Il vous donnera la supériorité. God will, let me tell you, God will set you up on high. Au deuxième verset, il vous mettra dans les lieux élevés. You will not be beneath anymore. Vous ne serez pas petit. Verse number 2. Dans le deuxième verset. Contains two blessings. Il y a deux bénédictions. Somebody say double barrel blessing. Deux bénédictions. Like we normally say. Comme on dit. Na double double. Double double bénédiction. Is here on a double double. C'est ici. If you don't know, they say it's in the Bible. It's here now. Si vous ne savez pas, c'est dans la Bible, ça le dit là. If you have paper Bible, put your highlighter and a light. Si vous avez un stabilo boss, soulignez-le. I have some Bibles. J'ai des Bibles. When they talk about highlighter. Quand on parle de stabilo boss. Different colors. De toutes les couleurs. I think it's out of that. C'est à cause de cela. That somebody now went and print Bible with different colors. Que certaines personnes maintenant ont commencé à écrire des Bibles avec des couleurs différentes. That Bible maybe my grandchildren will enjoy cette Bible what their grandfather put in there. Vont utiliser et vont bénéficier. When I read something and it's again inspired. Quand je lis quelque chose et que je suis inspiré. I'll get pen and paper after I highlight it. Je vais prendre le stylo et puis je vais le souligner. This is the portion of the wicked that refuse to obey God. C'est la portion des méchants. Je ne veux pas cela. C'est dedans. Praise the Lord. I'm going to run my own Bible commentary one day. Un jour, j'écrirai ma propre Bible avec des commentaires. Using that Bible. En utilisant cette même Bible. From my 20s, God has been inspiring me. Quand j'avais 20 ans, Dieu m'inspirait déjà. Verse number 2. Dans le verset numéro 2. And all these blessings shall come upon thee. Toutes ces bénédictions viendront sur toi. And overtake thee. Two blessings. Deux bénédictions. Blessings of God will come upon you. Les bénédictions qui se répandront sur vous. And then it will overtake you if thou shalt hearken to the voice of the Lord thy God. Remember, the first blessing is elevation. La première bénédiction, c'est l'élévation. God place you high above all nations. Dieu vous place au-dessus de toutes choses. No matter what's happening to those nations, quelle que soit la chose qui se passe, it will not touch you. Mais cela ne vous touchera pas. Monkeypox or no monkeypox. Que ce soit la maladie du monkey. It's not coming to knock at your door. Mais cela ne viendra pas à votre porte. It will not pass through your street. Cela ne passera pas dans votre esprit. It will not enter your bus. Cela n'entrera pas dans votre bus. If you're on a train, it will not enter your carriage. Si vous êtes dans le train, cela n'entrera pas dans votre this one, wagon. Verse 2. Dans le verset 2. Is the divine outpouring of grace over your life. C'est le déversement God's goodness. De la grâce de Dieu sur vous. The Lord that will bless you, not sa you. Bonté, c'est Dieu qui va vous bénir, ce n'est pas working vous. Hard to bless yourself. Vous devez travailler dur pour vous bénir vous-même. God will only put you in the right place. Dieu vous mettra au bon endroit. At the right time. Au bon moment. To be blessed. Afin que vous soyez bénis. See how hard God worked. Regardez comment Dieu travaille. To get the children of Israel. Afin de prendre les enfants d'Israël to the land of Canaan, et de le faire arriver à la terre for de Canaan this, Joshua 21, 43, afin que ce verset dans Josué 21, 43 puisse s'accomplir. So why do you not want to borrow leave from this one? Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas emprunter aussi de cela? And take it easy with yourself. Et puis vous reposez aussi. And go and seek God and surrender. Allez chercher Dieu et abandonnez-vous à Dieu. That song is coming back to somebody. Ce chant revient à quelqu'un. I'm coming back. Je reviens. To the heart of worship. Dans le cœur de l'adoration. It's a heart. C'est le cœur. Of worship. De l'adoration. Your life is a worship. Votre vie est une adoration. And everything you do is worship. Toute chose que vous faites est une adoration. Verse 3. Dans le verset 3. That contains another two blessings. Il y a encore deux bénédictions. Blessed shall thou be in the city. Tu seras béni dans la ville. And blessed shall thou be in the field. Tu seras béni dans les champs.
In the city. Dans la ville. In the field. Et dans les champs. Not where you are living alone. Pas seulement là où tu habites. Your places of work. Dans ton lieu de travail. Your places of your businesses. Là où il y a tes affaires. Two areas of your life. Dans deux domaines de ta vie. You will prosper. Tu vas prospérer. Success will attend to tu what you are doing. Tu auras le succès dans tout ce que if tu fais. You are studying, si tu étudies, you will become successful. Tu réussiras. Blessed. Béni. That means the hand of God is in every situation in your life. Cela veut dire que la main de Dieu est dans toutes les situations de ta vie. The word blessing. Le mot bénédiction. Is not money. Ce n'est pas l'argent. Otherwise, money will be raining down from heaven. Sinon, l'argent allait tomber du ciel comme la pluie. I've looked out the window one morning and saw money. Combien d'entre vous ont regardé à la fenêtre et ont vu l'argent tomber? The head of Mama Charlie running down. You know Mama Charlie? Yes. The one that celebrated 70 years now. L'argent de la reine qui est tombé. That's who the one they call Mama Charlie. C'est celle qu'ils appellent Mama Charlie. Have you seen money? Est-ce que vous avez déjà vu with her head running down in front of your house? Tomber du ciel? Non. So blessing is not. Alors la bénédiction n'est pas de l'argent. Is the blessing that will attract the money. C'est la bénédiction qui attirera l'argent. What you need first is what the blessing. La première chose dont vous avez besoin c'est la bénédiction. The money will see. What's happening there? Et l'argent verra. Let me go and look. Et se dira je viens. And blessing will suck in money. Et les bénédictions vont attirer l'argent. Now that you are here, you can't go. Maintenant que vous êtes ici, vous ne pouvez pas partir. Have you ever seen sometimes some situation in Africa? Vous avez déjà vu sur quelques situations something is happening, so people go there to go and look. Quelque chose se passe, les gens vont pour regarder. And they will grab them and say you are under arrest. Et on va les attraper, on va les dire on t'arrête. If you haven't seen it, where you come from? Where I come from? Si vous n'avez pas vu ça chez vous. Especially the Yoruba people. Chez moi, surtout les gens, les Yoruba. If they are talking with you and the trouble is starting there. S'ils sont en train de parler avec vous et que le problème est là. They will say, Mama Grace. Et ils vont dire. It's okay. I'll see you tomorrow. Thank you. Hey. Au revoir. You say no. Wait, wait. Let's. Attendez. It is well with you. Ils vont dire non, tout va bien, tout before va bien. Before you, they don't wait. Oh. Ils n'attendent pas. Hey, they say, for eyes not to see evil. Ils ont dit afin que mes yeux ne voient pas le mal. The feet is the what? Mes pieds. Is the remedy. C'est le remède. If you don't want your eyes to see evil. Si tu ne veux pas que tes yeux voient le mal. Your feet will be the. Il faut s'enfuir. Voilà. They will say, ils you diront, better speak to your feet. Tu fais mieux de parler à tes pieds. They say, I spoke to my feet immediately. Non, j'ai parlé à mes pieds directement. But what are you doing standing? Come on, move. Pourquoi tu restes ça? Là, avance. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Do you see that we come from a very rich culture? Vous voyez que nous venons d'une culture très riche. The things they say will make you les choses qu'ils think disent. Well. Vous ferons réfléchir. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So here, double blessing. Alors, double blessing. Double bénédiction. So divine empowerment in all areas of your life. Vous serez fortifié d'une façon divine at home, dans tous les domaines de votre work, vie. À la maison, in the city, au travail, forget dans la about, ville. You know what that man is doing in central London? Oubliez ce que cet homme fait au centre de Londres. That man that is a joker and all the other ones. Cet homme et ses plaisanteries. It will not affect you in any way. Cela ne vous affectera pas. You will rise above all their nonsense. Vous serez élevé au-delà de toutes ces bêtises. All these price hypes. Toutes ces choses qu'ils font. It will not make you suffer one pin. Toutes ces augmentations ne vous affecteront pas. They are crying. Il pleure. To fill the tank now is 100 pounds. Remplir maintenant la voiture, c'est cher. Every week, chaque semaine, I've been spending over 140 pounds to fill my tank. Je dois dépenser plus de 140 pounds crying, avant de remplir ma voiture. And I did not feel penny. Et je ne sentais rien. Just for the purpose what of the kingdom. Juste pour la gloire de Dieu. Just to fulfill the will of God. Afin de remplir la volonté it will de not Dieu. Affect you. Cela ne vous affectera pas. You will be wondering, what was it again? Vous-même, vous vous demanderez, oh, qu'est-ce qui s'était passé? Your cupboard, your storehouse will not be empty. Mais votre réserve ne seront pas vides. You are not created to run out of anything. Vous n'avez pas été créé afin de manquer de quoi que ce soit. You will replenish every time. Vous allez vous renouveler à chaque fois. When one job or contract is about to come to an end, quand votre contrat de travail va arriver, another à la fin, one will be waiting for you. Il y aura un autre contrat qui vous amen attend. Harvest will meet harvest. Alléluia. La récolte rencontrera la grande. I said harvest will meet harvest in your life. Dans votre vie, récolte de ce récolte. Harvest will be telling one harvest in front. What are you still waiting for? La récolte vous keep moving. Continue don't come traffic here.
avance. It's my turn. C'est mon tour. Hey. Like one man who wants to become president in Nigeria. Qui veut devenir président au Nigeria. They've made deals, everything. Ils ont fait des contrats partout. Now it came to his turn. Et maintenant, quand c'était son tour, they want to spin the wheel. Ils veulent tourner la roue. He cried out and said, "It's my turn." Il a pleuré. Il a dit, non, c'est mon tour. Bring the thing. Ramenez ces choses. All the people who are trying to contest with him. Et toutes ces personnes qui essayaient d'être contre lui. All of them fell apart. Ils sont tous tombés. Now he's now the presidential aspirant. Maintenant, il est le candidat présidentiel. Nobody will cheat you out of what belongs to you. Personne ne volera ce qui vous appartient. Man, you need to have the power of God to run, man. Vous devez avoir la puissance de Dieu afin de courir. Divine empowerment will make you to rise. La force divine vous fera courir. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Number four. Numéro 4. There are five blessings there. Il y a 5 bénédictions dedans. Blessed shall be the fruit of your body. Le fruit de vos entrailles sera béni. And the fruit of your ground, number 2. Le fruit du sol. Before, numéro 2. The ground used to be hard. Avant le sol était dur. You sow but no harvest. Vous semez not your portion pas anymore. De récolte, mais ce n'est pas votre the portion. Fruit of your ground, boom. They'll be better les than the others. Les fruits du sol seront mieux. And the fruit of your cattle. Et les fruits de vos troupeaux. The increase of your kine. And the flocks of your sheep. Et les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Divine health and total victory for you. La victoire divine et la santé. Not just in your house. Pas seulement dans votre maison. In your field of dans endeavor. Dans vos champs. Everything that you've laid your hands upon, tout ce que vous touchez, your property and land in Africa, maisons, vos pays, vos no stranger, terrains au pays, aucun étranger, will occupy what belongs to you. Viendra occuper ce qui vous appartient. Any squatter that is staying where you have labored for, où vous avez travaillé, will be chased out by the angel of the living God. Il sera chassé par l'ange du Dieu vivant. There's this funny story. Il y a cette histoire un peu marrante. In this country. Dans ce pays. Many many years in the days of our parents and you know. Les jours de nos parents. They work hard. Ils ont travaillé dur. They managed to get a house. Ils ont réussi à acheter une maison. Now they let it to some people. Et ils l'ont loué à certaines personnes. They're looking at them because they're English, they have African accents. Ils les regardaient parce que c'était des Anglais qui avaient they want to take advantage. Africain. Ils ont voulu profiter d'eux. They don't know they've been here. From the 60s, 50s. Ils ne savaient pas qu'ils étaient arrivés ici depuis les années 60-70. Before independence. Avant l'indépendance même. They were naturally British citizens. Ils étaient déjà des citoyens anglais. That's the rule in this country. C'est la règle dans ce pays. All those Commonwealth countries. Tous les pays du Commonwealth. Before they got their independence. Avant qu'ils aient même pris leur indépendance. Anyone born in those countries. Toute personne qui était née dans ce pays. They were automatically British subjects. Ils avaient la nationalité britannique. Until they get the independence. Jusqu'à ce qu'ils aient leur indépendance. Then they will ask them to get to choose. Et ensuite on leur demandait de choisir. Do you want to remain British citizen? Est-ce que vous voulez rester anglais? Or you want to become a citizen of your new country. Vous voulez prendre la nationalité de votre nouveau pays. So they used to come over here. Alors beaucoup sont venus ici. Like they were going to Dusty Market. They jump off. Ils allaient au marché de Dalston. Bus 55 or whatever. Ils montaient dans le bus. Bus something that goes to Dusty. Et ils venaient jusqu'au bus qui allait. They were not worried. Ils n'étaient pas inquiets du tout. Until they got independent. Jusqu'à ce qu'ils prennent l'indépendance. And then some riffraff still think in their head. Des plaisantins. That they don't have right in this country. Ils pensaient qu'ils n'avaient aucun droit dans ce pays. All of them used to come on sheep. Tous venaient ici. Because there are not that many planes in those days. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'avions. They travel by donc ils venaient sheep, en bateau. BOAs. I can't even remember. En bateau. One ship, ED, something like that. Ils English, en bateau. Whatever, I don't know. With the English flag at the back, flying like this. Avec le drapeau anglais. When they come here and they go back, it's the same ship they quand are ils arrivaient ici et qu'ils retournaient au pays, they want to travel bateau. To Liverpool to go back to Africa. Ils voulaient aller à Liverpool pour rentrer au pays. Praise the Lord. Alleluia. And now they build the house. Et maintenant ils ont construit une or maison. They own houses here. Ils avaient beaucoup de maisons ici. Someone is taking advantage. Et quelqu'un venait prendre avantage de cette situation. This Nigerian man just went to go and get special leave. Ce Nigerien hey! A pris quelque chose de spécial. This special leave. Oh, des plantes spéciales. If you dress well, very well, même si vous êtes bien habillé, and it touches you, et cette feuille vous touche, no one,
All your clothes will be off by your own, and you will take off your own clothes. Vos vêtements, vous allez les retirer. When they start behaving, people will say they are already gone crazy. Quand ils ont commencé déjà à bouger, c'était déjà tard. On disait qu'ils étaient fous. Granddaddy properly. You are not paying rent. Yeah, we are not paying rent. Leave my loyer. House. No, we are not leaving. Sortez we are right. Ah. Il disait non, nous ne bougeons pas. I will show you that I'm from. Okay, je vais vous I'm from Africa. D'où je viens. Je vous montre. I'm a Yoruba man. Je suis un homme Yoruba. He had a special key in his pocket. Il avait une clé spéciale dans sa poche. He knew when they went to work. Il savait quand il partait travailler. He went to their house. Il est entré dans la maison. Sprinkled his special leaves. Il a mis ses feuilles là partout. That been grounded like powder. Partout comme la feuille. Opened comme their la blanket poudre. And put it there. Même dans leur lit, il a mis. Opened it, their sofa, throw it dans around. Dans le canapé, il a jeté go partout. Go to their kitchen. Dans leur cuisine, il a jeté la poudre partout. All you need to do. La seule chose que vous devez is faire. Is touch anything that thing is on. C'est toucher. Cette poudre. You know the way coronavirus spreads. Vous savez la même façon dont le coronavirus a pu toucher tout le monde. As you wipe your face, quand vous touchez votre visage, c'est fini. That face will itch and itch until blood start coming. Votre visage allait commencer à vous gratter. You will never stop scratching. Vous allez continuer à gratter. You will say, "Can you get me knife, please?" Vous allez prendre un couteau pour gratter même. So they came in, they went on bed. Alors, ils sont partis se coucher. Within 5-10 minutes, après 5 minutes, the thing started working, man. Cette poudre a commencé à fonctionner, elle a dérangé. Et ça a commencé à les gratter de partout. They call ambulance at ils one ont point. Appelé l'ambulance rapidement. They call police at one point. Ils ont appelé la police. Nobody could help them. Personne ne pouvait les aider. They went to hospital, they couldn't help ils sont partis them. À l'hôpital, on ne pouvait pas les the aider. The worst part of it is. La pire des choses est if you go and have a shower, si vous allez vous laver, it just make the situation worse. La situation s'empire encore plus. The only remedy le seul remède is what if you go to a dusty market, you see them like si red. Si vous allez au marché de Dalston, palm oil. C'est l'huile de palme. Once you rub palm oil on it, une fois que vous mettez l'huile de palme dessus, that thing will come. Cette chose va s'arrêter. Mais ils ont souffert. When they told landlord, who is the landlord? Quand ils ont dit au propriétaire, ils l'ont appelé. Ah, what's happened to you? Oh, mais qu'est-ce qui vous what happened? Qu'est-ce qui se passe? You know the Oyinbo people, you call them Oyinbo. Vous savez le peuple de Oyinbo. They didn't have a clue. Ils ne comprenaient pas. They are applying this, applying that cream. Ils essayaient de mettre telle aqua crème, telle crème. The one that is not aqua cream. Ils mettraient de la crème. It was getting worse, man. You don't know this thing. Ça ne fait que s'empirer. It's dangerous. C'est très dangereux ces choses, vous savez. The man said, "Don't worry, I'll go and get you something to rub." Je vais aller chercher quelque chose pour vous aider. Got it and they rubbed them. When they felt okay. Quand ils se sentaient mieux. They said the house is haunted. We are leaving. La maison là, elle est hantée. He said, yeah, it is haunted. I told you. La maison. Je vous avais dit he cette maison haunted est hantée. I warned you. Je vous avais dit quittez ma maison. They packed out very fast. Ils ont pris leur bagage et ils ont fui. That same thing that is going to happen to your enemy. C'est la même chose qui arrivera à vos praise ennemis. The Lord. Gloire à Dieu. Are you hearing this? Vous entendez yes. Cela? Yes. Number 6. Point numéro 6. Contest blessings 13 and 14. How many? Dans le verset 6. Blessed shall thou be when thou comes in. Vous serez béni à votre arrivée. And blessed shall thou be when you go out. Et béni à votre départ. So accident will befall you. Alors il n'y aura pas d'accident. Somebody give God praise. Que quelqu'un puisse louer Dieu. Uncommon and unmatchable blessing. Les bénédictions incomparables. Only if you listen. Seulement si vous écoutez. And you obey. Et vous that's obéissez. All they're asking you. It's not hard, though. C'est la seule chose que vous devez listen faire. To the voice écoutez of, la voix de Dieu. Observe it and obey. Observez sa parole. What is difficult et about that? Obéir. Mais qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Some what you are doing is not what you are supposed ce to be doing. Ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous devez faire. That's why you are struggling. C'est pour ça que vous avez des difficultés. You don't need that. Vous n'avez pas besoin de cela. You need to hear God. Vous devez entendre Dieu. To know what He wants you to do, afin that this will come to pass. Afin de savoir ce qu'il veut que vous fassiez, praise pour que Lord. Sa parole puisse s'accomplir. Yeah. Some people they join the Amen Club on social media. Personnes ont rejoint certains clubs. Amen. That won't do jack if you don't obey God. Mais cela ne va rien faire si vous n'obéissez pas à Dieu. Go and take action, someone. Allez prendre action. Number 7, verse 7. Au verset 7. Contains blessing number 15 and 16. C'est la bénédiction 15 et 16. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. That's blessing number 15. Vous they shall come out against thee one way and flee before thee seven ways.
Anyone who comes against you one way. Toute personne qui vient contre vous d'un chemin. God says they will run before you. How many times? La Bible dit qu'ils fuiront. How many will look up to the fulfillment of this? Par plusieurs chemins. God will use you to discipline bad people. Dieu utilisera cela pour discipliner les méchants. That anointing must come upon your head. Cette onction doit venir sur votre tête. It's on my head. I went to sort it out. This scripture. Sort it out yourself too. Moi aussi j'ai été when voir they misbehave. Quand ils se and I'm telling them they are not listening. Je leur dis et qu'ils ne you watch pas. This place. Regardez ce qui va se passer. They will be disciplined, man. Ils seront disciplinés. And they won't escape. Et ils n'échapperont pas. I've never seen anyone that escape out je of those ones. Vu quelqu'un qui a pu s'échapper. They're rubbing up the wrong way with you. Ils they are disrespecting you. Vous. They have attitude problem. Ils ont une mauvaise attitude. Watch the space. Regardez. When verrez. God will be flinging them like quand kites. Dieu va les frapper. Praise the Lord. Gloire à Dieu. That anointing, you need it. Cette onction, vous en avez somebody besoin. Say, I need it. Quelqu'un dit, j'en ai besoin. Blessing, verse 8. Au verset 8. Contains blessing 17 and 19. C'est la bénédiction 18 et 19. It says, il est dit, the Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses and in all that thou sets thine hand unto. And it shall bless thee in the land which the Lord thy God give thee. Three blessings in one go. Il y a trois bénédictions en une. Divine prosperity. La prospérité divine. Success attending everything you do. Le succès dans tout ce que vous faites. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Divine prosperity. La prospérité divine. Number 9. Verse 9. Verset 9. Contains blessing number 20. Il est à la bénédiction numéro 20. The Lord shall establish thee and holy people unto himself. Unto who? Pour qui? Set you apart for himself alone. Il vous mettra à part pour lui so seul. Why do you want to be somebody else's? Alors pourquoi est-ce que vous voulez appartenir à why quelqu'un are you joining yourself to whatever they do in the pourquoi family? Vous associez aux autres you are qui separated already. Vous avez déjà été mis you à part. Are the priest to the family. Vous êtes déjà le prêtre through de votre famille. You, God will speak to the family. À travers vous, Dieu parlera à votre when famille. You tell your brother, sister, quand auntie, vous direz à vos frères et sœurs, à vos husband, don't do this. Ne fais pas don't cela. Go here. Ne va pas parler. And they go. Et ils vont. They will see the consequences. Ils verront les conséquences. Because of this particular verse. À cause de ce verse. God wants to put the priesthood anointing upon Dieu your head. Amen. Put your head in one place so God can put sur it. Vous. Stop putting it here. Stop going there. De mettre votre tête the church of the Holy Ghost of the second coming. No, the church of the spirit of the mankind. Arrêtez de mettre vos têtes no. dans toutes les églises. Stay non. where God puts you. Restez là où Dieu vous a and placé. Let the anointing meet et you permettez there. Que l'onction vous trouve là où vous praise êtes. Praise the Lord. Gloire à Dieu. His divine election. C'est l'élection divine. God electing you. C'est Dieu qui vous a appointé. Divine setting up. C'est Dieu qui vous a établi. God setting you up. C'est Dieu qui vous a établi. Divine set apart. Vous avez été mis à part. Divine establishment. Vous avez été établi de façon divine. Divine sanctification. La sanctification divine. You see how many blessings packaged in one. Vous voyez combien il y a de bénédictions en une seule. He establish as holy people unto himself. Il va vous établir comme un peuple saint juste pour lui. As he has won unto you in heaven. Comme il l'a choisi dans les cieux. He's already told you in heaven. Il vous l'a déjà dit dans les now cieux. You are on earth, he's ready maintenant to come and do it. La, est, vous êtes sur la terre et il veut venir la accomplir. Amen. Amen. No, verse 10. Dans verset 10. Contain blessing 21 and 22. Il y a la bénédiction 21 et 22. And all people of the earth shall see. Somebody said they will see. Ils verront. That thou art called by the name of the Lord. And they shall be afraid of thee. You are not going to be afraid of them, but they will be afraid of you. Peur de personne, mais now peur there de vous. Is divine reversal. Il y a un renversement divin. Hey! Before you used to be afraid of people. Avant, c'est vous qui avez peur. How many peur. Have been afraid of somebody before? Qui a eu peur de quelqu'un but God says not anymore. Mais Dieu maintenant, c'est fini, dit-il. They will be the one that will not be able to sleep because of you. Peur de vous. They will fail when they try. Ils échoueront quand ils essayeront. Heaven will hold their leg. They will know that les cieux retiendront leurs jambes. Heaven will be dragging them like this. C'est les cieux qui vont les retenir. Praise God. Gloire à Dieu. The anointing for total victory. L'onction pour la victoire totale. And dominion mandate. Et la domination. People will be afraid of you.
Les gens auront peur de vous. They will see you. Fear will greet them. Ils vous verront et ils auront peur. And they say, hey, hello, hello, ma. Que se passe-t-il? Hello, sir. How many wants that? Combien d'entre vous veulent cela? You travel abroad, you will not vous be afraid. Voyagez à l'étranger, vous n'aurez point peur. Those ones who have been boasting before will just be scared. Ceux qui sont passés avant vous n'auront point peur. You are in the village, they can't come and greet you. Vous êtes au village, ils ne peuvent pas venir vous saluer. Because the night before they dreamed that when they greeted you, they die afterwards. Quand votre grand-père est venu les saluer, I'm telling you how God works, man. Je vous dis comment Dieu fonctionne. Aïe 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 aïe. So who wants that anointing? Qui veut cette onction? Praise God. Gloire à Dieu. Verse 11. Au verset 11. And the Lord shall make thee plenteous in goods. Blessing number 23 and 24. La bénédiction 23 et 24. In the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord swore unto you. Divine supply and an abundant provision. Is la provision divine vous appartient. Divine supply and what? Le fruit de vos abundant provision. You will not lack in old age. Vous ne manquerez de rien. You will be blessed and your children will be blessed. Vous serez bénis et vos enfants seront bénis. Even if God has to bless your children to come and bless you. Même si Dieu doit bénir vos enfants afin qu'ils viennent vous bénir. You will not run out of food. Vous ne manquerez you pas will not de run fruits. Out of clothing. Vous ne manquerez pas de quoi vous vêtir. Praise God. Gloire à Dieu. Yeah. Let's look at 12. Regardons verset 12. The Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give the rain unto thy land in its season, and to bless all the work of thy hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Blessing number 25 to 29. La bénédiction 25 à 29. Four blessings in one go. Quatre bénédictions dans une. Divine blessings from the throne of God. Les bénédictions divines du trône de Dieu. Success and financial abundance is your portion. Et la bénédiction financière est verse votre portion. Number 13. Au verset 13. There are three blessings there. Il y a trois bénédictions dedans. And the Lord shall make thee the head. Vous serez la tête. From today you become the head of the family. À partir d'aujourd'hui, vous serez la tête de la from famille. From today you become the head everywhere you go. Aujourd'hui, vous devenez la tête partout où vous allez. And not the tail. Et non la queue. And thou shalt be above only. Et vous serez en haut. And thou shalt not be beneath. Jamais en bas. So shall it be. Qu'il en soit somebody ainsi. Give God praise. Alléluia. Divine promotion is la your portion. Vous appartient. Elevation and headship. L'élévation. Somebody rise up and give him to thank him. Levez-vous et remerciez-le. Give him thanks. Remerciez-le. Give him thanks. Remerciez-le. Bless his holy name. Bénissez son saint nom. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. We bless you. We glorify you. Nous te bénissons, nous thank te you for all these blessings coming merci upon us. Toutes ces bénédictions qui viennent and sur nous overtaking us. Et qui nous surprennent. Stretch your hands out and étendez say, here I am. Vos mains et dites, me voici. Here I am. Me voici. Here I am. Me voici. I receive your je blessing, reçois Lord. Tes bénédictions, Seigneur. Bless me, O God. Bénis-moi, O Dieu. Anoint me for the blessing. Oint-moi pour ta bénédiction. Let me not go astray, Lord. Que je ne puisse pas avoir peur. Teach me your way, Lord. Enseigne-moi tes voies. Lead me, O Lord. Guide-moi, Seigneur. Lead me, O Lord. Guide-moi, dirige-moi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Because of time, let's take our seat. À cause du temps, je vous invite à vous asseoir. Prepare to worship the et Lord our God. Nous allons préparer nos offrandes. Lord, ah. Seigneur. You are going to get promoted. Vous serez promu, vous aurez la promotion. That job you are aiming at, they will give it to you. Cet emploi que vous cherchez, they are going to head hunt you. Ils vont vous rechercher. Who is this person? Qui est cette personne? You are that in that process. Vous êtes dans ce processus. I said you are in that process. Vous êtes dans ce processus. They will call you and say congratulations. Bientôt ils vont vous appeler, ils vont vous féliciter. It's yours, it's yours, it's yours. As a matter of fact, they show me. They j'ai will vu. Have to knock somebody out of the way for you to ils get that position. Hallelujah. Afin de vous donner cette bénédiction. Where thank you are supposed Lord. To be là où vous devez être. Is not what they gave you. Ce n'est but pas ce now va they will donner. Give you what you really deserve. Mais on vous donnera ce que vous méritez vraiment. What you really deserve is coming. Ce but que vous méritez vraiment. Let's worship God. Let's worship God. Louons Dieu. With our tithe and offering. Avec nos dîmes et nos offrandes. Our gifts. Nos dons. The information are on the screen. Les informations somebody on the social media, let's pick this up, l'écran. Please. The information are on the screen. Les informations seront mises sur l'écran. Let's look at what is online. The vous details. Pouvez payer en ligne.
How to give on there? Comment vous pouvez donner? And if you are giving cash, et si vous donnez en des espèces, put in envelope, mettez-les dans l'enveloppe. Write KFC. Comme écrivez KFC. And then your giving number. Et mettez votre numéro de don. Or your name. Et votre nom. I don't know why somebody is still in this church. I don't have a giving number. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est toujours dans l'église et qui n'a pas encore de numéro de don. It's a very, very funny way of operating with God. C'est une façon très bizarre de fonctionner avec Dieu. Get the giving number and let prenez votre heaven numéro and heart rest upon don you. Et permettez à ce que les cieux restent sur vous. Don't say about. Don't let the devil say, but what the. What if something happens and you can't ne give? Ne permettez pas à Satan de vous tromper. I've received giving number from time immemorial. J'ai reçu mon numéro de don il y a longtemps. Nothing has ever happened that I cannot rien give. Rien ne m'est jamais arrivé de façon à ce que je ne puisse God pas donner. God is the one that is protecting His word. Dieu protège sa parole. Go and get a giving number. Allez prendre votre numéro de don. Pour KFC there. Yes. Choir, let's give. La chorale, donnons. Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tous ces dons j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération, sommes une génération choisie. Transfer that money. La main que vous avez utilisée pour transférer l'argent touchera de grandes choses that dans l'avenir. Cette main sera bénie, ce doigt. Heal the sick. Ce doigt guérira if les malades. Allow me, I will use that finger si vous lui permettez, to heal j'utiliserai ce doigt pour guérir. I can use it to raise the dead for je you. Peux l'utiliser pour turn situation around. Changer les situations. Open new doors. Ouvrir de nouvelles there's portes. No door that you want to touch. Il n'y a pas de porte that que vous voulez toucher go that door que je ne pourrai pas permettre à Dieu d'ouvrir that pour same vous. Finger.
ce même doigt. You used to bless me in my utilisé house. Pour me bénir dans ma maison. We carry great things. Portera de grandes choses. So shall it be. Qu'il en soit ainsi. Somebody give God praise one more time. Quelqu'un puisse louer Dieu une fois de plus. Lift up your hands and say thank you for blessing me. Élevez vos mains et dire merci de m'avoir béni. Blessing me. So shall it be in Jesus' name. Qu'il en soit ainsi. You may be seated. Quick announcement. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vite dire les annonces. We thank God for those who attend the meeting yesterday. Nous remercions Dieu pour ceux qui étaient présents à la réunion hier. The pre-IGOC meetings. Pour IGOC pour la conférence des champions. I'm sure there might be another one. Je suis sûr qu'il y en aura une autre bientôt. I didn't know that I was invited. Je ne savais pas que j'étais invité. And I was very careful. I don't want to get crash meetings. Et je ne voulais pas venir entrer dans les meetings. Oh, this man is sniffing on us. Il est comme ça, il nous surveille. No. No. But I found that now. So when they want to do the next one, they should invite me. I will join. Bon, la prochaine fois, on va m'inviter et je serai présent. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I was asking my wife, are we invited or je we are not invited? Je demandais à ma femme, est-ce qu'on est invité à cette réunion? We looking, no things on coming. On savait pas, on réfléchissait. Maybe, you never know. Peut-être pas. Hein? You know, comme c'est comme ça, pourquoi? Je ne sais pas. You know what I mean? Voulez-vous? You know, hello. J'étais pas sûr. Praise the Lord. Gloire à Dieu. But thank God for all of you. Je remercie Dieu pour God will strengthen you and give Dieu you wisdom. Va vous fortifier, vous donner la how sagesse. To serve him and please him. Parce que vous le servez, vous le bénissez. Also, don't forget. N'oubliez pas. To join us on Tuesday. De nous rejoindre chaque mardi. There is more to do with the heart. Il y a beaucoup plus de choses à gérer. The matter le of the heart. Les choses du cœur. The Holy Spirit says, I want to refine hearts. Le Saint-Esprit dit qu'il veut raffiner nos cœurs. I want to turn the heart into a new heart. Je veux transformer vos cœurs. A heart of stone to a heart of flesh. De transformer d'un cœur de pierre en cœur de chair. The more I want to move to the next point. Plus je veux avancer dans le point suivant. The more it gives me more scripture about the heart. Plus le Saint-Esprit me donne encore des versets par rapport au cœur. What can I do? Qu'est-ce que je peux faire? I just have to obey. Je dois obéir. It's not my message at the end of the day. Ce n'est pas mon message à la fin de la journée. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I hope you are all being blessed. J'espère que vous êtes tous bénis. How many get blessed by those things that comes out? Combien d'entre vous sont bénis? It just changes. So after the service, I will ask my wife. Après le service, je demande à ma femme. What was I saying over there? Qu'est-ce que je disais là-bas? How did those ones come out? Comment est-ce que cette parole là est sortie? Some of those points will be one, de ces number points, two, number un, three. Deux, trois. How they come? Comment est-ce qu'ils viennent? God is great. Mais Dieu, just Amen. Join this Tuesday. N'oubliez pas de nous rejoindre le mardi. 8 p.m. À 8 heures. God bless you. Dieu vous bénisse. Also. Aussi, join Pastor Matthew from Monday to Friday. Pasteur Mathieu du lundi au morning vendredi. Morning glow from 7 6 a.m. à 6 heures du matin. 6 a.m. 6 heures. And on Monday, et le lundi, Wednesday, mercredi, Friday, vendredi, and Sunday, et le dimanche, for the evening glow, pour la gloire du soir, evening glow for the prayer and fasting, pour le temps de jeûne et prière, and you'll be surely blessed. Et vous serez béni. They are all online. Tout est en ligne. But please be prepared for the last 7 days of the month. Soyez prêts pour les derniers 7 jours du mois. It's likely that it's going to be actual. Ce sera probablement pas en virtuel, so mais ce get sera yourself prepared. Sur place à l'église, alors préparez-vous. The man of God will give us further information. Dieu nous donnera les informations. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Don't forget to register for IGOC. N'oubliez pas de vous enregistrer pour IGOC. It's important. C'est important. Let's rise up. Je vous invite à vous lever. Let's say the grace together. Partageons la grâce. May the grace of our Lord Jesus Christ, la grâce de notre Seigneur Jésus, the love of God, l'amour de Dieu, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, du Saint-Esprit, be with us now and forevermore. Avec nous maintenant et pour Amen. Toujours. Amen. Surely, oui. Goodness and mercy shall follow us all the days of our tous lives, les jours de ma vie. And we shall dwell in the house of the Lord et je demeurerai dans la forever maison de and ever. Pour Amen. Toujours. Good afternoon. Amen. God bless you. Bon have a wonderful week. Bon après-midi à tous et passez God bless une bonne you. Semaine. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God is giving me. I know who I am. We are the chosen generation,
Called for to show his excellence.